Audiobox. Bonsoir tout le monde et bienvenue ce soir pour un tout nouveau live sur la chaîne de l'Entrejeu Studio avec toute l'équipe des cartes sur table. Ce soir nous sommes tous très chauds. Est-ce que vous êtes chauds les gars? Ouais, c'est ça que je veux entendre. Et ce soir les amis, ce soir c'est un live qu'on attendait tous avec beaucoup d'impatience parce que ce soir nous accueillons Léandre. Bonsoir Léandre. Salutations. Ah, j'ai l'impression qu'on entend le son de mon live. J'aurais là, adoré qu'ils répondent pas, Léandre. Juste qu'ils disent pas bonsoir. Je suis poli quand même, un minimum. Mais c'est vrai qu'on entend un petit peu le... Moi, j'ai ton retour dans l'oreillette. Oui, c'est ça. Il y a le retour, c'est la régie, comme on dit ça dans le métier du YouTube Game. Et ce soir, les amis, nous allons faire un live exceptionnel sur Clash of Deck, donc le tout dernier Kickstarter que Léandre a lancé hier soir. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà un très beau succès, hein, parce qu'on est à 10 et 15 000 euros de récoltés sur les 25 000 euros demandés, avec plus de 325 backers en 24 heures environ. C'est pas mal. Est-ce que tu es content de... Je suis hyper content. Ouais. Je suis hyper content parce que je te cache pas que je m'étais fixé 50% à la fin du week-end. Ok. Et le fait qu'on soit déjà à 60% à 24 heures, bah, c'est au-delà de mes espérances. Donc écoute, par rapport à ce que j'avais visualisé, c'est encore mieux. Donc c'est cool. Je suis très content. Bah, écoute, parfait. Bah, nous aussi, on est contents de voir que ça fonctionne. Pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas Clash of Deck, comment tu pourrais le présenter en quelques mots? Parce que ce soir, en fait, pour vous faire simple, on va vous présenter vite fait la campagne, voir les pledges différents. Puis après, on vous fera une explication des règles pour ceux qui découvrent le jeu ce soir. Hein. Comme ça, on vous est vraiment tout à prendre. Et puis après, les membres de l'équipe vont se mettre sur la tronche pour savoir qui est le meilleur d'entre eux. Moi, je ne participe pas, parce que moi, je vais animer, je vais commenter. En fait, il n'y a personne qui participe, mais on va se mettre sur la gueule. Ok. Bon, non, mais je vais jouer au mode solo tout seul, c'est pas grave. Bonne ambiance. Donc là, il faut que je te présente en quelques mots, c'est ça? Vas-y, présente-nous Clash of Deck pour ceux qui sont là ce soir sur le chat, qui sont déjà très nombreux. Donc bonsoir à tous, là, on est plus de 25 là, sur le live, donc bonsoir à tous. Salut les 25. Alors, Clash of Deck, c'est un jeu... d'affrontement de cartes initialement à deux joueurs où les joueurs vont drafter des cartes, ils vont avoir une main de 9 cartes et on va se mettre sur la tronche à base de créatures, de bâtiments et de sorts. Mécaniquement, c'est, on pourrait le rapprocher d'un Clash Royale mais version jeu de société. C'est un jeu où les combats sont automatisés. C'est un jeu qui joue en 15-30 minutes. Mais ce n'est pas qu'un jeu pour deux joueurs, parce qu'il y a maintenant un mode solo et on peut jouer aussi à 3 ou 4 joueurs. Voilà, jeu d'affrontement de cartes à combo. Voilà, comment je le décrirais. Ok, alors pour faire simple, le jeu, il est sorti l'année dernière en vrai en sortie boutique. Et en fait, ça se présente, c'est l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est juste avant le confinement, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et c'était en fait sous cette forme-là. Au mois de mai, exactement. Voilà. Au mois de mai. Donc en fait, c'est ces formes-là, en fait, ça coûtait 3 euros chez... là, j'ai pris le numéro 4, j'aurais préféré prendre le numéro 1, voilà. Donc ça coûte 3 euros. Et pour 3 euros, en fait, à l'intérieur, vous aviez toutes les cartes à découper avec le fascicule des règles. Donc comme vous pouvez voir, je l'avais déjà expliqué lors d'un dernier live, mais j'ai beaucoup de mal à couper mes propres jeux. Donc c'est-à-dire que j'ai les 5 que j'ai achetés, les 5 premiers numéros, je les ai jamais coupés. Mais j'ai reçu un autre, donc je peux le faire maintenant, c'est pas un souci. Donc en fait, vous receviez ça, et en fait, c'était un JCE, un jeu de cartes évolutif. Parce que tous les mois, en fait, tu sortais donc de nouvelles tous les mois ou tous les deux mois. Si... Arrête-moi si je dis une connerie. Hein. Tous les mois, il y avait une extension autonome. Il y avait une extension autonome du jeu, 3 euros. On pouvait jouer juste avec ce petit fascicule où on pouvait mélanger les numéros entre eux. Voilà, exactement. Et donc, il y a eu 7 numéros qui sont sortis en tout. Ou 8, encore une fois, c'est 7, hein. Ouais, j'ai toujours un doute en fait, c'est 7. J'ai bien pris mes notes. Donc à 7, et donc là, bah, après tu as dit que Clash of Deck était mort, et dans la foulée tu as annoncé bah, qu'en fait il revenait en version deluxe sur Kickstarter. Donc, comme Jésus, pareil, il revient sur Kickstarter, ouais. Bah écoute, en fait j'ai eu pas mal de demandes de joueurs, enfin de pas mal, dans ceux qui jouaient déjà, qui avaient du mal à découper leurs cartes, qui trouvaient le jeu vraiment sympa, mais quand même une version physique, ça serait cool. J'ai succombé aux sirènes des demandes, et puis on verra si c'est un succès sur Kickstarter. En tout cas, là, c'est bien parti. J'espère qu'il y aura une communauté qui va pouvoir se greffer autour. Le jeu part pas de rien. Il y a déjà des joueurs du jeu. Le jeu existe depuis un an, tu l'as déjà dit. Et j'espère que ça va le faire.
Bon, bah écoute, on l'espère aussi, c'est bien parti. Donc, il y a deux pledges qui sont disponibles. Nous avons la version basique, la Basic Box, pour 25 euros, qui donc représente tout ce qui est sorti depuis l'année dernière, en termes de contenu. C'est ça. Sauf que cette fois-ci, les cartes sont bien prédécoupées, ce ne sera pas des fascicules comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté en plus par rapport à ceux qui ont acheté les fascicules, par exemple? Dans la boîte de base, Oui. qui sera en fait la boîte, l'équivalent de la boîte retail, mais sans les stretch goals, dans la boîte de base, tu as tout le contenu des cartes qui sont déjà sorties dans les 7 extensions autonomes, plus 16 nouvelles cartes qui n'existent pas encore, qui Ok. étaient normalement le numéro 8, mais qui n'a pas été publié. D'accord. Et en plus de ça, tu as des cartes reliques et des cartes héros qui sont des nouvelles cartes qui introduisent une forme d'asymétrie dans le jeu. On commence chacun avec un héros et avec une relique qui donne chacun un pouvoir passif et un pouvoir actif. Ça, c'est des cartes qui, enfin, c'est un module, on peut jouer avec comme on peut décider de ne pas jouer avec. Il y aura ça dans la boîte de base. Ok. Il y aura tout ce contenu-là. Et dans la boîte de luxe, il y aura du contenu en plus. Ok, donc dans la boîte de luxe, donc il y en a pour 40 euros. Et Ça. pour 40 euros dans la boîte de luxe, alors je descends la page là. Hop, dans la boîte de luxe, nous avons donc qu'est-ce que nous avons pour 40 euros? Dis-nous tout. Bah, tu as exactement le même contenu que la basique, et puis tu as un sourire. Ah bah ça c'est super. Bah Wow. j'achète. Pour 40 euros, moi je trouve que c'est important. Non, en plus, tu vas voir principalement les grosses différences, c'est que tu as quatre plateaux en punchboard d'ambiance, avec quatre univers différents, Ok. pour avoir quelque chose de visuellement plus attractif. C'est pas des néoprènes, attention, on est sur du punchboard. Ok. C'est des plateaux qui font 21 par 30, donc c'est quand même des bons petits plateaux. Tu as également une pièce, c'est symbolique, mais c'est toujours sympa, une pièce en métal personnalisée pour décider de qui va commencer la partie. Et Nickel. surtout, tu as un mode Legacy exclusif à cette Deluxe Box, Ok. avec 48 cartes qui sont dédiées à ce mode Legacy. Et il y a 280 stickers qui sont également dédiés au mode Legacy. Pouvoir coller des capacités spéciales sur des cartes avec des emplacements vierges pour personnaliser tes unités et créer les combos toi-même de tes capacités spéciales au fur Oh, et à mesure des c'est fat parties pendant ça. la campagne. Ah, ça c'est cool Euh, ça. voilà, ça c'est les différences majeures entre les deux. En plus, il y a la boîte qui est un peu plus grande et puis il y a des stretch goals qui sont aussi également exclusivement dédiés à la Deluxe Box. Ok. Bon. Voilà, les différences majeures. Ok, ça marche. Bon, j'ai posé la question de savoir s'il y avait des gens qui avaient des questions. Donc, on nous a posé la question de savoir s'il y allait avoir les néoprènes en stretch goal pour les plateaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veulent du tapis néoprène. C'est un truc qui revient souvent. Après, au tout début, le tout premier devis que j'ai fait, je voulais les intégrer carrément dans la boîte de luxe. Après, j'ai vu le prix, j'ai fait, bon, on verra peut-être plus tard, ça pourrait être sympa, mais en fait, je vais essayer de me... Je voulais pas sortir un jeu trop cher non plus, que ce soit un truc accessible, parce que je veux qu'un maximum de personnes puissent l'acquérir. Le tapis en néoprène, pour moi, c'est une option. J'en ferai certainement si la campagne est un succès et en fonction de la demande des joueurs, de la dynamique de la communauté. Donc c'est à l'étude, mais ça ne sera pas pendant cette campagne en tout cas. Ok, ça marche. Ça marche. Léandre, tu peux les faire en récompense de tournois internationaux, au pire. Carrément. Écoute, c'est une bonne idée. Je note tout de suite. Ah, Mais vas-y, carrément. note, En fait, note. non, mais sans déconner, en plus, en goodies de récompense de tournois, que ce soit sur Internet ou en dur, quand ce sera possible de le faire, on pourrait s'envisager. Ok, bon. Et des cartes foil aussi alors? Carrément, avec des bordures différentes et tout. Ouais. Et moi, Bon, je propose que tu fasses carrément. une carte en récompense du tournoi qui dit que quand tu la joues, t'as gagné la partie. Je trouve que ça ferait équilibré. C'est ça, c'est Écoute, très. carrément, ça me Voilà. semble pas mal. Le gars qui gagne le tournoi, il a une carte qui lui fait gagner tous les autres Le tournois. tournoi, ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que cette carte existe déjà, elle s'appelle le loup de givre. Ah, chut, on n'en a pas encore parlé. On m'avait dit qu'elle s'appelle le Cléonis de Givre, mais. Le cléoniste de Givre. Ah oui, dans le Pledge Manager qu'on nous dit aussi pour ceux qui le souhaitent, c'est aussi une solution en espèce d'add-on supplémentaire dans le Pledge Manager. Tout Il à n'y aura pas fait. de Pledge Manager. Non. C'est la question que j'avais posée parce que vu que la date est prévue pour septembre 2021, ça paraît assez juste Il pour. n'y aura ni Late Pledge, ni Late Pledge, ni Pledge C'est Manager. maintenant. Non, Donc pour les ok. néophytes qui ne C'est maintenant, connaissent. c'est ça. Ah, je Pardon, t'en je prie, t'écoute. j'allais juste dire que pour les néophytes qui ne connaissent pas Kickstarter, ça veut dire que. Alors, c'est pas une boutique en ligne, hein, Kickstarter. Hein.
Non. Là, c'est un moyen de financer le projet de Léandre avec deux niveaux de, on va dire, d'aide que vous apportez à Léandre pour financer le projet. Et en réalité, le Late Pledge, c'est quand la campagne est terminée et que l'on propose aux gens de, malgré tout, aider à financer le projet post-projet. Et après, le Pledge Manager, ça permet généralement à ceux qui créent une campagne Kickstarter de rajouter des options possibles entre la campagne et la livraison des récompenses. Voilà, pour Ça. juste signaler un peu. C'est bien expliqué, c'est bien de le répéter parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas. Et moi, j'ai voulu ne pas le faire parce que je voulais être plus réactif, plus rapide pour livrer plus rapidement. Et puis, j'avais décidé de ne pas mettre d'options en particulier dans le jeu, pas de choses supplémentaires. Du coup, je m'en accommode. Ouais, puis aussi, ton Kickstarter, c'est un, comme j'aime bien le dire, un vrai Kickstarter. C'est une vraie attente de sponsoriser, on va dire, ce projet. Et si on atteint le premier palier, on n'est pas très très loin, bah, du coup, c'est bon. Et si on l'atteint pas, c'est mort. C'est ça, c'est ça. Donc. J'ai failli mettre ça dans la FAQ, mais je me suis dit quand même, si je le mets, c'est une vision assez négative, Oui, je ne vais non, pas non. le mettre. Mais c'est un fait, en fait, c'est un fait. C'est-à-dire que si le financement n'est pas atteint sur ce genre de projet, même si j'y crois à fond, je pense que ça va se faire, puisqu'en 24 heures, on a déjà 60%, ça devrait se faire sans souci. En vrai, sur ce genre de projet-là, si on n'atteint pas les 100%, bah, le projet n'existe pas. Il n'y a pas un. Bah, finalement, on va quand même le sortir en boutique, ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas financé. Non, non, c'est juste que ça n'existerait pas. Alors, il y a quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres stretch goals prévus que celui déjà annoncé? Bah, je pense, hein. Il y en a. Alors, il y a un stretch goal qui est prévu tous les 1000 euros, Ok. Tous les 1000 euros. au-delà de 25. Ok. Et tous les 5000, il y a on va dire, un spécial, un truc qui a un peu plus de Oh. gueule. Ok. Et tu as Sympa. gardé la surprise. Est-ce que tu as gardé l'idée du Oui, non, mais calendrier avec des photos de toi tous les mois? tout nu? Non, non, je l'ai pas gardé. Ah, dommage. Non, je l'ai pas gardé ça. Stretch goal à 100 000 euros, le calendrier Léandre. Bah, tu vas le financer, c'est sûr. Voilà. Mais en vrai, le calendrier, Léon, qui veut ça? Même moi, j'en veux pas. Moi, Écoute, j'en veux un. Ouais. même la compagnie est Moi, je réalisée. valide. En pledge, pour le fameux pledge manager qu'il n'y a pas. C'est ça. Bon, Bon, et le jeu, est-ce qu'il est bien? c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on parle, on parle, on parle, mais est-ce que le jeu est bien? Et Cléonis, tu devrais prendre ma place. Tu animes vachement bien, en fait. Non, le jeu est bien, évidemment, évidemment. Ça, c'est. Alors, on va faire une petite présentation des règles. Donc là, c'est Cléonis contre Léandre, en fait. Ils vont jouer l'un contre l'autre pour cette Ah, c'est partie trop d'île. bien. Pour cette partie d'initiation, alors dites-nous tout. Là, j'ai une vue un peu de haut au niveau Tabletop Simulator. Dites-nous dans le chat hein, si vous voyez bien, si vous voulez que je zoome et tout. Je peux voir que nous avons différentes choses. Donc là, nous avons les règles anglais-français ici. Donc le module Tabletop Simulator est gratuit et disponible gratuitement. Vous pouvez avoir le lien directement sur la page du Kickstarter. Nous avons les deux D'ailleurs, plateaux si je aussi peux des ajouter joueurs. quelque chose, Oui. Mathieu. Vas-y. Et c'est ton émission, t'es chez toi là. Hein. Le module, il est effectivement gratuit, enfin, mais Tabletop, ça reste un support payant. C'est-à-dire qu'il faut Oui. avoir Tabletop quand même installé. Pour ceux qui ne veulent pas investir dans Tabletop, c'est possible. Il y a un print and play qui est gratuit. Donc, on peut jouer avec exactement ce kit de démo-là qu'on va jouer ce soir. Et il suffit d'aller sur clashofdeck.com. De mettre un mail et en 24 heures, vous recevez le print and play par mail. Voilà, c'est Oui. juste pour ceux qui n'auraient pas Tabletop et qui voudraient quand même essayer le jeu, ça reste possible. Et pour ceux qui ne veulent pas imprimer, il n'y a pas une autre solution, Léandre? Non? Bah si, sur Stories. Ah si! Oui, pardon! Mais Heureusement non, qu'on est mais. là quand même, Ouais. Effectivement, il y a une autre solution alternative à Tabletop qui est Stories. Stories, c'est un équivalent de Tabletop, c'est un jeu en dématérialisé. Et je pense que pendant la campagne, je ferai des animations découvertes de Clash of Decks sur Stories. Donc, je vous mettrai le lien sur la page Facebook, notamment de Clash of Decks, pour ceux qui seraient intéressés pour découvrir le jeu. Alors, il y a des gens qui ont pas l'air de savoir qu'est-ce que Stories. Parce que je vois dans le chat quelqu'un qui pose la question qu'est-ce que Stories. En fait, c'est une plateforme qui est créée en fait par Yannick et c'est qui d'autre qui avait travaillé avec lui? Il y avait toi, Léandre, je sais, mais Et Pierre. Pierre, qui est en fait une Ouais, c'est plateforme Pierre Yannick.
qui font. Vas-y, vas-y, peut-être que tu en parleras mieux que moi, Léandre, pour le coup, parce que je sais que tu as pas mal traîné avec Ça, eux je sur le. pense, ouais. Ouais. Je vais en parler mieux. Pas du tout. Donc en fait, Stories, c'est une plateforme de type. Comment appeler ça? C'est comme du Tabletop Simulator, c'est du jeu dématérialisé en ligne. Seulement, on est dans une salle. Donc il y a une grande salle virtuelle avec des tables. Sur chaque table, il y a des jeux. Il y a des animateurs qui peuvent passer d'une table à l'autre, vous expliquer les règles du jeu. Et l'idée à la base de Stories, c'était de faire un festival virtuel pendant le confinement, le premier confinement, qui a eu lieu d'ailleurs, le festival qui s'appelait Ludi Stories au mois de juillet dernier. Et il y avait neuf éditeurs participants qui ont présenté dans chacun une salle leur jeu qui sortait dans quelques mois à venir. Par exemple, je ne me rappelle plus qui y avait, mais il y avait Studio H, par exemple, qui présentait Alltray, qui n'est toujours pas sorti, qui va sortir dans quelques mois. Et bien à l'époque, sur le festival virtuel, on avait déjà la version proto dématérialisée, les gens pouvaient déjà y jouer. Donc c'est une salle, et dans cette salle, il y a des tables, on peut s'asseoir, on peut jouer. Il y a des animateurs qui nous font découvrir le jeu, et puis voilà. Il y a aussi des options qui sont très cool. Il y a aussi la visio vocale intégrée. Donc du coup, quand on est Carrément. attablé, on peut discuter avec les autres joueurs qui sont à la table. Ça, c'est trop bien. Et il y a une option que Léandre, tu aimes beaucoup, c'est que tout le monde a son micro coupé et tout le monde n'entend que ta voix aussi. J'adore quand je suis le seul à parler. D'ailleurs, là, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette option-là. Sur le principe, sur le principe sur Stories, ce qui est vraiment très très bien en termes d'animation, c'est qu'on peut l'animateur peut expliquer un jeu à une centaine, milliers de personnes en même temps. Et les gens voient exactement ce que voit l'animateur. Et ensuite, les personnes peuvent poser des questions en live à l'animateur en cliquant sur un bouton pour le solliciter. Donc, c'est vraiment un outil génial, moi, je trouve, en termes d'animation de jeux de société. Et puis, effectivement, le fait qu'on puisse se voir, parce qu'il y a une webcam et un micro intégrés directement à l'application, ça, c'est un gros plus aussi. Et donc la plateforme est parfaitement adaptée pour faire de la compétition du coup. Et carrément. Des événements, etc. Après, on dit ça, on On ne est dit perdu. rien. On Ça n'a y pas est, on bougé. arrive sur Tabletop Simulator, donc. C'est fait subtilement. Donc Donc là, voyons. on est sur Tabletop Simulator, c'est ça. Exactement. Donc Quand Tabletop même, Simulator. on va pas se le Oui. cacher, c'est quand même plus attractif visuellement sur Tabletop. Moi j'aime beaucoup. De même. Alors là, on voit beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut voir? Donc Léandre, tu es la main verte, donc je te suis pour nous Tu montrer un vois ma petit peu. main? Oui, je vois ta Oui. main, oui. Très belle main en tout On cas, colle un j'apprécie peu à beaucoup. Donc l'écran, là, sûr de la voir. juste ici, tu as les règles Ouais. en anglais et en français. Tout à fait. Donc comme Nous vous pouvez voir les avons règles, ce qui est un avantage, hein, donc excuse-moi, je te coupe, mais l'avantage, c'est que les règles, c'est juste une une page, page. quoi. Ouais. C'est très agréable. Tiens sur un, ouais, sur. Ça tient sur trois feuilles de papier toilette. Hein. Clairement, Ça, c'est c'est de assez, l'argument, ça. c'est assez rapide. Non, mais on va dire que les règles sont facilement intégrées, elles sont courtes, mais ensuite, en termes de jeu, il y a quand même une profondeur. C'est pas juste un jeu très très simple. Vous allez voir que, en termes de réflexion, c'est un petit peu plus poussé que ce que ça ne paraît. Ok. Donc, là, il y Donc les règles a... du jeu, Ouais. ici. Nous avons ici deux grands plateaux. Hein. C'est là où les joueurs vont poser leurs cartes. À gauche, ce sera le plateau qui représente le royaume du joueur A. Et puis à droite, ce sera le royaume du joueur B. Il y a deux petits ponts ici qui les séparent. Donc en fait, c'est structuré selon deux lignes. Il y a la ligne du haut, la ligne du bas. Ok. Oh, on voit bien quand ma souris passe, je suis au Oui, bon endroit, ouais. non, mais très bien, c'est parfait, je te suis, il n'y a aucun problème. Super. Juste là, c'est des petits compteurs de mana. Ça ne sera pas dans la boîte. Ça permet d'automatiser le comptage du mana. C'est un petit plus qu'on s'est permis dans cette version-là. Mais vous n'aurez pas un petit boîtier mécanique Ah zut alors. dans la version. Désolé. Juste à gauche des plateaux, ce sont des aides de jeu. Donc nous avons ici une aide qui concerne les capacités spéciales. Ils sont en anglais et de l'autre côté, c'est en français. Je ne sais pas comment on retourne. Oui, c'est Exactement, bon. merci beaucoup. Et juste au-dessus, il y a un petit préambule, pareil, anglais, français, recto verso, qui explique un petit peu le lore, l'univers dans lequel se déroule le jeu, histoire de poser les bases. Et ensuite, il y a une aide de jeu qui définit la structure d'une carte, où se trouve
sont les éléments qu'il y a sur une carte et à quoi ils servent. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cœur du jeu, quand même, les cartes pont. Les cartes pont, pardon. Les cartes tour de guet, qui sont juste ici, qui est château fort et Toverso. Et ces cartes-là représentent nos points de vie. Ça, c'est les points de vie qu'on va avoir. Et on va mettre cette carte-là dans notre main. Et elle va bouger dans notre main. On vous expliquera ça juste après. Okay. Et le gros paquet de cartes qui est ici, face cachée, c'est le paquet de cartes qu'on va drafter. Donc, au début de la partie, on va se drafter un certain nombre de cartes, 8 chacun. Selon la règle très simple, qu'il y en a 4 révélées. Le premier joueur va en choisir une. Le deuxième joueur en choisit 2 parmi les 3 restantes. Et la dernière carte revient au premier joueur. Et puis, on inverse les rôles. C'est le deuxième joueur qui choisit en premier la carte des 4 prochaines cartes qui sont posées. Puis, le joueur 1 qui prend les 2 parmi les 3, etc. etc. Ok. Et puis, la petite pièce ici, c'est censé savoir qui commence. Mais elle est recto verso au moins. Oui. Pas si oui. Verso. Si, si, est-ce qu'on peut l'acheter Est-ce qu'on peut l'acheter en l'air comme ça? Ouais. Oh, mais voilà, oui. Tu viens de t'en débarrasser. Ok, j'adore. Je suis archi fan. Alors il faut savoir que c'est pas moi qui. J'adore. Regarde, il y a un système. Voilà, ça va partir en. Il faut savoir que c'est pas moi qui ai créé ce mode. C'est parce qu'en fait j'ai des fans. C'est incroyable. Mais c'est... j'ai des personnes qui apprécient les jeux et qui sont très cool, qui ont des compétences que je n'ai pas. Une personne qui a accepté de modder. Oh bah c'est donc, super cool, merci ça. Beaucoup. Ouais. C'est vraiment franchement le rendu est vraiment top. J'aime beaucoup. Et puis il y a des petits trucs automatiques qui sont vraiment chouettes, comme le draft qui est fait de façon un peu automatique et la gestion du mana. C'est des petits plus quand même. On y viendra au cours de la partie. Est-ce que au niveau de la présentation du matériel, j'ai été assez concis? Pour moi, c'est nickel. Ouais, c'est parfait. Okay. Est-ce que vous faites un début de partie pour voir ou pas? En même temps que tu expliques les règles. Bien sûr. Je vous ai dit que, regardez, là-haut, il y a une petite affiche et écrit que le jeu est sur Kickstarter, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Ah, c'est vrai, ça. Ça a l'air bien, ça. Ah oui. Ouais, sympa. Hein. Le 11 février, ouais, on est le lendemain de la sortie, quoi. Oh. C'est incroyable. oui, on peut faire... Alors, un truc important aussi, c'est que ce kit de démonstration-là, en tout cas sur Tabletop, il est en anglais. Il y a très peu de texte sur les cartes. Il y a juste le nom des... Il y a juste le nom des cartes et le fait que ce soit une créature. Le reste, c'est des pictogrammes et des chiffres. Donc, normalement, vous ne devrez pas avoir trop de soucis à jouer. Le print and play, par contre, que j'envoie par mail, lui, est en français, si jamais l'anglais vraiment vous rebute. Mais c'est vraiment un jeu multilingue. Hein. Moi, je le redirai encore, je l'ai déjà dit, mais comme tu as fonctionné, il n'y a que des icônes sur les cartes. Le nom, on peut le prononcer en anglais ou en français, on s'en fout, on peut même le prononcer en chinois. Non, mais c'est vrai. Mais c'est tellement multilingue qu'il y a même des Belges qui y jouent, hein, je te ferai dire. Ouais, je suis choqué. Et ils comprennent en plus. Ouais, moi j'ai joué à ce jeu-là avec un Français qui s'appelle Léandre Proust et je l'ai battu en plus. Et après, il m'a dit qu'il était le créateur de ce jeu, j'étais un peu choqué. Ok, bonne ambiance. Non, mais ça va, mais ça va. T'as droit à ta revanche, hein, je te signale, t'es installé à la table. Là. On est là pour ça ce soir. Hein, de toute façon. Ouais. On est là pour se mettre sur la tranche. Et je rappelle à tous que pour ceux qui nous regardent, si vous aimez le jeu, bah, n'hésitez pas à prendre le Kickstarter, bien entendu. Ah, bah bien sûr, il y a le lien qui est toujours remis régulièrement sur le chat. N'hésitez surtout pas, les gars. En plus, Léon nous a promis 10% de la somme du Kickstarter. Donc. Évidemment, il y aura une reversion, évidemment. Mais regardez comment fonctionne une partie, les règles du jeu, et ensuite vous pourrez prendre une décision. Ouais, après vous pourrez acheter 3 boîtes. Ben on peut peut-être. Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose? Est-ce que tu veux qu'on lance une partie? Non, vas-y, lance une partie, en fait, on explique les règles au fur et à mesure, parce que vous parlez. J'ai pris une carte, voilà, j'ai lancé la partie. Voilà, il lance la partie. Quelle bonne ambiance. Et ben, donc, du coup, comme je disais, au début de la partie, on va drafter des cartes, donc ça va être assez rapide, parce que. Okay. Je vais prendre le Celestial Snoot accompagné du Hunter. Alors, au-delà de l'aspect mécanique intéressant de faire du draft, moi, il y a un truc que j'aime bien dans ça, c'est que comme on draft, enfin le mode de jeu principal, c'est de drafter comme ça son deck, c'est que ça génère déjà une sorte d'équilibre dans le jeu. Contrairement à d'autres jeux de cartes où on joue avec un deck parfois préconçu ou qu'on a créé soi-même. Avant, et donc, comme c'est pas un jeu de cartes à collectionner, là, on commence la partie avec un pool de cartes et on doit faire avec ce qu'on a et on doit essayer de prendre les cartes les plus intéressantes pour créer les meilleures synergies. Et rien que ça donne déjà une très belle profondeur au jeu. La partie draft en elle-même demande pas mal de connaissances et du coup, ça offre une belle courbe d'apprentissage.
Ouais, je sais que c'est à moi, mais en fait, je précise, enfin, c'est trop cool, mais j'ai fait exprès de pas jouer avec toutes les nouvelles cartes, et du coup, il y a des nouvelles combos que je vois tout Tu de suite. découvres. Ah, c'est génial. Je me souviens d'un certain Jouster, là, à une époque très certaine, très intéressant. Oui, C'est c'est la vrai. première édition. Là, on laisse. C'est vrai On que laisse. les drafts apportent un élément stratégique important, donc c'est vraiment. C'est vrai que c'est bien. T'as quoi comme fait? T'as pris un bâtiment sale. Non, tu sais plus, mes cartes Léandre, il s'en fout, hein, par contre. Hein, c'est pour ça que tu as fait un draft en début de partie? Excusez-moi, pardon, quel est le sujet? Là, je suis très concentré. Parce qu'en fait, si je me refais battre encore par Yanis, je pense que je vais me retirer définitivement du monde ludique. Et je prendrai toutes les responsabilités qui Ok, ça va, je perds d'office. vont. Je Pression. sais plus, c'est à moi de prendre en premier. Moi, je Mais votais on pas pour très gagner, hein, concentré, s'il me hein. disait ça. Il y a une carte spell, on en parlera, mais c'est un peu différent que des cartes créatures. Oui, en fait, on va expliquer Totalement. après les cartes, après pour expliquer ce qu'elles ont Ok, toutes. ça va. Alors, c'était juste que Léandre, la je. question, c'était est-ce que le draft est là pour équilibrer le jeu? Ah non, en fait, c'est un jeu à information parfaite. C'est-à-dire que quand on va drafter, les joueurs ont l'information de ce qui va des cartes en face. Et une fois qu'on a constitué chacun son deck, on sait exactement ce que possède l'autre et ce qu'on a. L'idée du draft, c'est qu'on doit s'adapter en permanence, à chaque fois qu'il y a un tirage de quatre cartes, on doit s'adapter en permanence à ce que prend l'adversaire et à ce que je prends. Je vais prendre des trucs qui vont le contrer, je vais prendre des trucs. Où je vais penser que son jeu a des failles. Par exemple, si il a pris aucun bâtiment, je vais essayer de choper des cartes qui ont la capacité de démolisseur. S'il a pris beaucoup de cartes volantes, je vais essayer quand même de prendre des cartes avec la visée pour essayer de le contrer. Donc il y a un rapport d'équilibrage comme ça qui se fait de manière automatique entre les joueurs pendant la session de draft. Merci. Ça Et de répond à fait, votre pour oui, ça répond très bien à la question, même au-delà de mes espérances. Je n'en attendais pas moins de ta part, Léandre. Et je continuerai même en disant, est-ce que pour ne pas effrayer les nouveaux joueurs, tu as prévu dans les règles des decks préconçus pour faire une partie d'initiation? C'était une très bonne question, Vianney. Effectivement, il y aura trois formats dans la boîte basique et dans la boîte de luxe. Il y aura le mode préconstruit qui permettra aux nouveaux joueurs d'être initiés en douceur avec des decks qui sont déjà composés. Il y aura une liste de cartes simplement à prendre, 8 cartes par joueur, et avec des effets relativement simples et peu d'icônes, donc peu de capacités spéciales. Donc ça sera moins riche en interactions. On fera moins se creuser la tête, mais ça permet surtout de se familiariser avec le jeu. Voilà, de rentrer dans. On va dire que c'est la pataugeoire. Tu Super. rentres, c'est la première fois que tu vas à la piscine, tu vas à la pataugeoire. Ensuite, il y a le mode draft, qui est la deuxième étape, ce qu'on vient de faire. On part d'un paquet commun et on va se répartir les cartes de manière équitable en essayant de prendre des cartes qui vont contrer celles de l'adversaire ou de trouver des failles dans ce que prend l'adversaire pour essayer déjà d'avoir un avantage. Et la troisième façon de jouer, le troisième format, c'est le construit. Et le construit, c'est un mode où on va constituer son deck avec n'importe quelle carte de la boîte basique ou de la boîte de luxe. Et on va commencer la partie avec les cartes qu'on a choisies. On les a toutes choisies. Par contre, on fait un deck de 10 cartes. Il y a deux cartes parmi ces 10 qui seront bannies au début de la partie par le joueur adverse. Ok. Banni, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas jouer avec. Ça Et marche. Donc ben, là, en fait, on voit que tout prévu. vous avez fait vos drafts là. Ouais, là, on a fait nos drafts. Ok. Donc, on est chaud, on est au taquet. Le premier joueur, qui est-ce? Bah c'est moi. C'était ouais, Ah, vas-y. c'était Quoi? Clé, c'était Cléo. Je fais comme Est-ce je que j'ai fais sur affiché mes ma jeux. main, Mathieu, ou pas? Oui, Si je c'est vois. toi, t'as. Pardon. Si c'est toi, t'as que 6 de mana, hein, Oui. Cocolas, du coup. Moi, j'avais une question. Pourquoi il y a une tour à gauche de votre main? J'allais montrer, mais... On voit tout là, les gars, vous pouvez Ah y aller. oui, Hein. c'est. Oh On n'a pas là expliqué les règles. là! C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué les règles pour moi. Mais non, Moi, j'étais parti, hein, c'est excusez-moi. pour ça que je vous laisse. La tour, c'est. Mais c'est pour ça que vous êtes là aussi, les gars. Hein. La tour de guet, la Watchtower, ça symbolise vos points de vie. Donc, la tour de guet. Au début d'une partie, elle est à l'extrémité gauche de votre main. Quand vous prenez des dégâts, quand vous prendrez des dégâts de la part des créatures adverses, vous allez décaler la tour de guet d'autant d'emplacement que de dégâts que vous subissez. Par exemple, si vous subissez 4 de dégâts, vous passerez de l'extrémité gauche jusque ici. Hop là, prenez 4 dégâts. Si votre tour arrive à l'extrémité droite de votre main, elle est détruite. Oh non, mais comment vais-je faire pour survivre à cette attaque? Ce n'est pas grave, il te reste encore. Quand tu cliques dessus,
Comment on fait pour tourner sur F. Ok, tout est maîtrisé. Quand ta tour de guet atteint l'extrémité de droite. Sur la touche de ton clavier. La tour de guet. C'est la régie, mais la régie, tout le monde l'entend, c'est bizarre. Ouais. Quand la tour de guet atteint l'extrémité droite de votre main, elle est détruite et vous prenez la carte, vous la retournez et vous la remettez à l'extrémité gauche de votre main. Si cette fois-ci, le château fort, le stronghold, arrive à l'extrémité droite de votre main, là, vous perdez la partie. Donc en fait, cette carte, elle va se balader dans votre main et elle symbolise simplement vos points de vie. Alors, c'est là comme ça, on se dit, ok, d'accord, pourquoi pas, en soi, ça a l'air sympa. Ça, à son tour de jeu, on a autant de mana. On va jouer en trois phases. On va jouer chacun son tour trois phases. La première phase, c'est la phase de régénération de mana. On va gagner un nombre de mana, qui est la monnaie du jeu, qui est égal au nombre de cartes qu'on a en main. Donc là, actuellement, on a chacun 9 cartes en main. On compte également la tour de guet ou le château fort. Donc on dispose de 9 de mana, sauf le premier joueur qui n'en a que 6 exceptionnellement lors de son premier tour. Donc plus on a de cartes en main, plus on a de mana. Donc si on commence à réfléchir un peu, plus on va jouer de cartes en jeu, et donc moins on aura de mana pour le tour prochain. Ah ouais, d'accord, déjà il y a un petit truc. On commence à piger quelque chose. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Le mana, ce n'est pas tout. Le mana est indiqué en haut à gauche d'une carte. Peut-être j'en posais une pour que vous puissiez la voir. Hop là. Oui. Ah, j'ai vu sa carte. Donc tout en haut. À gauche en bleu, c'est le coup de mana. Je peux jouer à mon tour autant de cartes que je veux, sachant que je peux jouer que dans mon espace. Et quand je pose une carte, je la pose soit sur la ligne du haut, soit sur la ligne du bas, le plus proche du pont possible. Par exemple, je pourrais la poser là. Ça me coûte le nombre de mana indiqué en haut à gauche, donc 3. En bas à gauche, la valeur jaune avec la hache, c'est la valeur d'attaque. Et en bas à droite, en rouge, ce sont les points de vie, la défense de l'unité. Okay. L'unité subit 3 dégâts ou plus. Elle est capoute. Quand une unité est capoute, il n'y a pas de défausse ou il n'y a pas de cimetière dans ce type de jeu, l'unité revient directement dans la main de son propriétaire à l'extrémité droite. Donc comme ça, il va y avoir une rotation des cartes entre celles que je vais pouvoir jouer. L'important aussi, c'est que les cartes qu'on peut jouer, c'est uniquement les 4 cartes les plus à gauche de sa main. Okay. C'est-à-dire les cartes qui viennent de décéder, récupérées, qui arrivent à l'extrémité droite de ma main, je ne peux pas les jouer tout de suite. Il faudra d'abord qu'il y ait un cycle qui se fasse naturellement en jouant les cartes à gauche pour que le Celestial Snoot redevienne disponible et que je puisse le jouer. Ok, alors une petite question que je me pose vite fait concernant les attaques. Quand tu parles des points de vie, est-ce que c'est le nombre de points de vie que l'unité doit subir en un seul coup ou est-ce que si quelqu'un l'attaque à un dégât, est-ce que ça lui inflige un dégât, enfin un d'attaque, est-ce que ça lui inflige un dégât ou s'il faut lui infliger la totalité de ses dégâts pour qu'il meure ? Vient tout de suite. C'est une très bonne question. Merci. Moi aussi, en j'ai fait, révisé. Si on commence un tour de jeu et qu'on explique en jouant, je pense que ça peut le faire. Ça marche. Juste peut-être la phase de combat, c'est juste dernière chose. C'est au niveau de la phase de combat, quand j'ai fait ma première phase qui est la phase de mana, ensuite j'ai la phase d'invocation, je pose mes unités en jeu, donc selon le mana disponible que j'ai. Et enfin, il y a la phase d'assaut. La phase d'assaut, c'est toutes mes créatures vont attaquer dans un ordre prédéterminé. Je ne décide pas en quel ordre elles vont attaquer. C'est d'abord la ligne du haut qui attaque. De l'unité qui est la plus éloignée du pont à la plus proche, donc là il n'y a que le mercenaire donc il attaquerait directement, et il attaque uniquement la créature la plus proche, l'unité adverse la plus proche du pont. Donc là le mercenaire attaquerait Hunter. Ensuite il y a la ligne du bas qui s'active, le requin attaquerait directement les points de vie du joueur adverse parce qu'il n'y a pas de défense, et le Celestial Snoot également. En gros, s'il y a une créature adverse qui est sur le chemin, je suis obligé de l'attaquer, et s'il n'y en a pas, les points de vie vont directement attaquer, les points de vie de la tour de guet sont directement attaqués et on la décale dans la main. Voilà ce que je vais expliquer seulement et ensuite on viendra sur le détail pendant la partie. Ok. Si ça vous va. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Surtout que certaines les créatures, il me semble, hein, très chères Léandre, sont subies le mal d'invocation sauf certaines. Absolument. C'est-à-dire qu'il y en a des unités. Toutes les unités de base ne peuvent pas attaquer le tour où elles sont posées en jeu. Il faudra attendre le tour suivant sauf les unités qui ont la capacité férocité. C'est une des capacités qui est indiquée sur la petite tête de jeu qui est à droite. Oui, férocité, donc. C'est d'attaquer immédiatement la tour où elle est posée en jeu, mais pas la tour de guet et pas le château fort adverse. Tout à fait. C'est une forme de rush, pour ceux qui connaissent Hearthstone, c'est une forme de rush. Voilà. Pas la charge, mais le rush. Je voulais simplement s'y aller ou juste dire que je trouvais ce système de gestion de main juste génialissime
Et t'as réussi à mettre un système qui gère les points de vie, le mana. Il n'y a pas de défausse et c'est un jeu quand même qui est très singulier sur ses mécaniques. Et du coup, je tenais encore à te féliciter publiquement Devant pour 40 ce personnes jeu. en live. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent. Les gens, les joueurs en tout cas qui apprécient les jeux, c'est essentiellement pour cette gestion de la main. Ouais. Gestion de main qui sert à la fois de gérer les points de vie, le mana, le cycle des créatures. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, effectivement. Tellement malheureux. Attention, je vais jouer ma première carte. Alors je le dis, bon, le chat, tous ceux qui ont des questions à poser sur le jeu, à Léandre, s'il y a vraiment il y a des points de règle que vous aimeriez éclaircir ou autre, ou même sur la campagne Kickstarter, profitez-en, ne soyez pas timides, je vois que vous êtes quand même très nombreux sur le chat, donc franchement, déjà un grand merci d'être aussi nombreux. Je remercie aussi à tous les nouveaux followers qui sont arrivés là depuis tout à l'heure, il y en a déjà eu 4 ou 5 là, donc vraiment un grand grand merci à tous ceux qui sont là, parce que nous aussi on approche des 600 followers, donc un grand grand merci à tous, et donc je les laisse parler, je les laisse jouer, c'est juste je voulais combler le temps qu'ils réfléchissent, parce que là on a, Ah non, là par les deux contre, là, en fait j'ai peut-être fait un mauvais choix d'avoir mis les deux ensemble, parce que là ils sont pas partis pour une petite partie d'initiation, là Si, si, c'est si, si. qu'il Franchement, tu vas voir. y a Regarde, regarde bien. des dommages. Je commence Pas mon grave si tour. J'ai 6 de mana. Je sélectionne une des 4 cartes les plus à gauche pour pouvoir jouer. Je la prends et je la mets sur le terrain, soit sur la ligne du haut, soit sur la ligne du bas. Je décide de la mettre sur la ligne du haut et je paye 3 de mana. Parce qu'elle a un coût de 3. Elle s'appelle la carte Inhabité Shield. Et elle a deux capacités qu'on peut expliquer. Le bouclier, vous l'aurez compris, ce sera assez simple. C'est qu'elle évite la première salve de dégâts. Et la deuxième capacité, c'est que quand elle est tout près de la rivière, c'est-à-dire que là c'est le cas, eh bien ses dégâts sont doublés. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? Oui. Non, ça veut dire que là, actuellement, elle encaissera la première attaque qu'elle subira à chaque tour. Et en plus de ça, comme elle est proche du pont, sur la première, le plus proche du pont possible, elle a deux d'attaque au lieu de un. Oui. Me restant 3 de mana, je vais te sortir une première petite combo. Je te joue une autre carte qui me coûtera 3 de mana. Je la joue au-dessus, derrière, parce que j'ai pas le choix. Télékinésiste. Et lui, il a deux autres capacités. Comme ça, on aura quasi vu toutes les capacités en deux cartes. Hein. Enfin non, il a trois autres capacités. Il a une capacité qui copie les capacités des autres. Vous voyez le D'accord. truc, le délire. Et il a une capacité lui permettant d'attaquer des créatures qui seraient volantes. Il n'y en a pas encore en face de moi. Et Ça je Géonis, paye ça à 3. retournait ta carte tour. Oui, Faut que tu pardon. Et mettes surtout, ce qui se passe, c'est que si vous observez, j'ai moins de points de vie, du coup, actuellement. Je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie, parce que j'ai mis deux cartes. Ça marche. Mais bon, tes cartes vont mourir et elles vont revenir. Oui, ou peut-être qu'elles vont pas mourir et que je vais gagner la partie en deux tours. Arrête, tu me mets la pression. Donc moi j'ai 9 de mana. Donc comment on fait? Normalement il y a un truc pour passer le tour. Il y a pas là il y avait un bouton Ouais, pour je l'ai passer le plus parce tour. qu'ils ont dû l'enlever, mais c'est pas grave, on a passé le tour. S'il faut, je Ok, referai donc on un fait rechargement manuellement. du, Ok. du module. Oh, non, mais t'embête pas, c'est très bien. Donc moi ce que je vais faire, je vais jouer pareil une des 4 cartes à gauche de ma main et je vais jouer subtilement et intelligemment. Cette petite coquille inhabitée me gêne un peu parce qu'elle est assez solide, mine de rien. On va s'en débarrasser peut-être Alors, dans une. j'en profite, il y a des questions Là. qui sont. Alors, il y a deux questions, je vais prendre la celle qui va être la plus facile à répondre, dans le sens où c'est qu'il y en a cinq qui trouvent dommage que la boîte de luxe, pour l'instant, elle ne fait pas encore l'unanimité, j'ai l'impression, sur Facebook, et je vois même sur le chat, on en parle, que la boîte de base est plus jolie que la boîte de luxe. Et on voulait savoir si c'est un work in progress ou est-ce que c'est définitif au niveau de la boîte. Non, mais il n'y a rien qui est définitif en termes de visuel. D'ailleurs, même les deux unités qui sont présentes sur la boîte de base ne seront certainement pas celles-ci. À l'issue du Kickstarter, il y aura des unités qui seront, dans les news, il y aura des unités qui seront proposées en termes de visuel. Et il y aura un vote qui sera fait à l'issue du Kickstarter, je répète, pour déterminer les deux unités qui se font face sur la boîte de base. Ok. Pour la boîte de luxe, pareil, on a fait déjà un retravail sur le dessus. Oui, ce que j'ai vu, tu avais déjà diffusé une première fois, tu avais eu des retours, donc tu l'as fait une modification. Ça. Hop, je vais faire ça. Donc là, je suis à 8, je vais m'arrêter là. Fin de mon tour à toi. Mais oui, j'ai fait des modifications sur la boîte de luxe avec mon graphiste frère. Mais il y a encore un aspect peut-être un peu trop sérieux, peut-être qui est en décalage avec l'esprit du jeu.
Donc, on ne sait pas encore exactement. Moi, je voudrais garder ce côté un petit peu luxueux, mais peut-être moins sérieux. Donc, peut-être qu'on va mettre des silhouettes de personnages. Je ne sais pas encore comment ça peut se faire, mais il y aura certainement un retravail dessus. Ok, ça marche. Après, il y avait une autre question, mais c'est par rapport au mode solo. On nous posait la question de savoir est-ce que on aura des explications sur les héros et les reliques, et le mode solo est-ce un automata? Voilà. Donc après, ça c'est peut-être un peu plus long à tout expliquer. Là, il y a Clonis qui joue, donc tu peux Ah, peut-être y aller. je peux quand même répondre. Vas-y. Les reliques et les héros, on en a un au début de la partie. C'est des modules optionnels, encore une fois. Le héros permet d'offrir une capacité passive à l'ensemble de ses créatures en général. Et la relique permet d'avoir une capacité activée. Par exemple, il y en a un, c'est un bouclier enchanté. Quand tu l'engages, tu peux l'engager une fois par tour, donc en faire usage une fois par tour, tu vas pouvoir inverser la valeur d'attaque et de points de vie de l'unité ciblée jusqu'à la fin du tour. Ce genre de choses. Donc c'est des petits twists comme ça qui permettent soit de passer une créature très défensive en gros bourrin, ou soit de passer une défense plus facilement. Voilà. Ça permet de rajouter une asymétrie en début de partie, la relique et le héros. Ok. L'autre question, c'était sur le mode solo. C'est une IA que tu affrontes. Effectivement, le procédé est assez. Comment ça, 10 de mana? Ben, je vais l'expliquer. Vas-y. Ben, j'ai 6 Parce de que. mana de barre. Ouais. Elle m'en fait gagner Attention. 2. Très important, ça. Les flèches, ça mentionne le fait que la capacité spéciale est octroyée aux unités de droite et de gauche, mais Ouais. pas directement à l'unité en question. Sinon, il y a le logo qui apparaît seul. Ah, Plus. c'est déjà bien une FAQ, mais je commence quand même avec 8 de mana de base au lieu de 6. 8, c'est solide. Hein. Oui, Sachant que c'est tu as déjà solide. deux. J'ai une petite question. Vas-y, Kikor. Je vois que vous avez chacun votre tour posé des cartes, mais quand est-ce que ça se tape dessus? Ça va se taper maintenant. Kikor, lui, il est En là fait, que on a pour chacun. la baston, lui. On a fait notre tour, on a fait notre premier tour. Au premier tour, les unités n'attaquent pas, elles attaquent à partir du tour suivant. Donc là, en l'occurrence, fais sa phase d'invocation. Cléonis, tu peux y aller, hein, fais ta petite phase d'invocation. Alors, Ensuite, il va faire sa phase d'assaut. Et là, ça commence à se taper. je joue un Peel of Bone. Je vais l'incliner pour le concept que lui, il est encore un peu fatigué. Il se réveille et ça me coûte un de mana. Et ensuite, je joue un Guardian en bas et lui aussi, je l'incline pour le concept qu'il est un petit peu fatigué. Ensuite, on arrive à la phase d'attaque. J'ai payé tous mes manas et je décide d'avoir fini mon tour. Et du coup, ce monsieur-là, télékinésiste, il fait deux d'attaque à Jouster. Et ensuite, c'est Monsieur Inhabited qui a le double de dégâts, qui fait 2 d'attaque à Jouster. Vous pouvez constater que je lui fais donc 4 de dégâts, ce qui Oui. n'est pas suffisant, donc cette créature reste en vie. Ok. Et Mais si on en le gros. génère à la fin du. Ok, Et si elle on se le régénère régénère. à la fin du tour, voilà, donc j'ai pas réussi mon attaque. Ok. Comment je vais passer ça, moi? C'est quel enfer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai jamais dû te laisser le gardien. Triche. Je vois pas de quoi tu parles. Vas-y. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que je vais tenter, en fait, plutôt une stratégie agressive. En Non, fait, c'est je moi sais. qui jouais autrement. Il est Déjà, je tech, voulais hein. jouer agressif, moi, Léandre, c'est pour ça. Déjà, je suis déçu, Léandre. J'ai pas chopé ni de loup de givre, ni d'autres créatures de givre dans les drafts. Je suis très triste. J'en suis très déçu pour toi. Je te le cache pas que ça me fait un peu de peine. Je vais faire quelque chose de ce style-là. Est-ce que je peux le gérer? Non. Donc je vais jouer plutôt la solidité. Je vais jouer pour 4 ici et il me restera 3. Pour 3. Ouf, oula, ça met beaucoup de créatures. Okay. Donc là, je suis à 0. Ma phase Ok. d'attaque. Donc là, ici, il n'attaque pas. Le jouster attaque, il casse juste le bouclier. Par contre, là, le géant va te rentrer 2 de dégâts parce qu'elle a la capacité démolisseur qui cible uniquement les bâtiments. Donc là, il n'y a pas de bâtiment en face, il n'y a pas de cible. Du coup, l'attaque va directement dans la tour de guet adverse. Vous Donc là, tu pouvez vas observer. décaler ta tour Ma tour de de. guet se décale de 2. Hop, hop. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Ok, fin de ma phase d'assaut, c'est à toi. Là, tu recomptes le nombre de mana que tu as à disposition. Donc, tu as 5 plus 4 quand même. Hein. Ça picote. Va? Moi, je Par me sens contre, bien.
ta tour de guet, tu vois, à 2 PV, ta tour de guet est détruite. Mais exactement. Donc, si je foire ce coup-ci, je suis dans la mertouille. Et je dois bien regarder les capacités. Ça va demander un peu de réflexion. Donc, s'il y a des questions, faites-le. Ouais, non, mais en fait, je regarde parce que je vous dis la vérité, c'est un jeu qui m'intéresse énormément depuis un long moment, que je suis. Depuis un an, depuis que le jeu était disponible, mais je n'ai fait zéro partie. En fait, c'est un jeu que j'ai toujours mis de côté en disant j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Et là, c'est la première partie que je vois réellement. Et je trouve que c'est ultra dynamique. En fait, je voulais rester vierge en fait pour ce live pour toi, Léandre. Et donc, je découvre On peut vous ça. laisser après, hein. Il y a un truc qui est intéressant aussi dans ce setup en particulier, c'est que là, tu ne pourrais pas jouer les deux cartes à gauche de ta main. Enfin, tu peux, mais dans ce cas-là, ta tour de guet sera à l'extrémité droite, et dans ce Ouais, cas-là, elle serait détruite. donc je dois faire gaffe. Dis, je suis pas sûr de mon coup, Léandre, mais je suis bloqué par quatre créatures sur ce plateau. Non, tu peux jouer plus. Eh ben, je vais devoir décaler. Plus de cartes. Oui, ça c'est important de le N'y a pas dire, de les limite. plateaux. Ouais, Il n'y a pas de limite. C'est vrai que c'était c'est intéressant. d'être. Après, Si, la j'hésite. limite, c'est le nombre de cartes que vous possédez au total, évidemment. J'hésite à vraiment décaler et à faire un tour de fifou lol, parce que je me souviens de Si. certaines règles. Mais c'est dangereux. Alors du coup, pendant que tu Bon joueur, parce réfléchis, que. ouais. Je ne vais pas lui dire qu'on avait Vas-y, gagné. Léandre. Non, lui dis Mais pas non, je ne vais alors. pas le faire gagner. Non, il y a une règle avec férocité qui est à savoir, les créatures qui ont une certaine capacité qui permettant d'attaquer direct ne peuvent pas attaquer directement les points de vie adverses. Donc ça me C'est demande des important de le calculs en rappeler. tant que joueur professionnel de ce jeu. Du coup, je suis désolé, mais posez vos Et que. questions. Écoute, là, il n'y a pas de plus de Oui, que. questions. C'est une partie à démo, hein, c'est une partie. Ouais, mais bon, je veux faire un truc bien. Là, on est sur du haut level, là. Moi, je suis très content de voir ce premier match. Je voulais un truc plus rapide au départ, mais là, on est quand même un gros level. Je pense que ça fait plaisir aussi aux gens sur le chat. Donc on va laisser. Après on va mettre moi. Je vais faire quand même une petite partie pour me faire éclater contre je ne sais qui. Qui veut gagner contre moi? Qui n'a pas encore gagné contre moi? Parce que. Ah, ce serait bien. Kikor, tu peux jouer ce soir ou pas? Oui, moi je peux, oui. Bah, ce serait bien, deux débutants sur le jeu. Allez, Kikor, t'as moi déjà ça joué ou pourrait pas? être. J'ai envie de poser la question sur le chat. À votre avis, qui va gagner, Léon ou Cléonis? Ah Alors, oui, moi, je peux me prononcer déjà si vous voulez, par rapport à ma main, je par rapport à mon draft et par rapport à son draft. cherche des Je pense excuses. que je dois avoir 20% de chance de victoire. Non, 22. non, mais c'est jouable pour toi parce que tu m'as foutu une carte qui m'embête. Du coup, je suis pas sûr de mon coup. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est aussi un jeu de programmation. C'est-à-dire que finalement, quand vous posez les cartes dans un certain ordre, elles s'activent forcément dans l'ordre dans lequel vous les avez mises. Et du coup, ça peut générer des combos par la résolution successive des différentes capacités spéciales de chaque unité. Et en fait, il y a des combos qui sont très très sympas à faire, avec un effet de. Moi j'aime bien, c'est l'effet qui. Les splatchs. J'aime bien le splatch, je sais pas pourquoi, mais Et je tu trouve vas le ça. voir au prochain tour si ma créature survivre. En plus, il va y avoir un effet sympa, c'est-à-dire que normalement, Mercenaire va péter le bouclier ici, et comme il va splatcher, il va péter le bouclier également de l'autre côté. C'est aussi. Permettant peut-être. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu, Ouais, mais sauf si. sur les prédictions là sur le chat, tout le monde dit que Léandre va gagner à 100%. Donc Ok, c'est bon. Ouais. J'ai un truc, j'ai un truc. Non, non, non. Okay, vas-y. Oh là, il se lance. Désolé. Sorcier, Non, c'est mana heal là. 50-50 là. Mais en fait, le truc, c'est que quand vous avez réfléchi, même si vous voyez que je prends beaucoup de risques parce que je suis tout nu, quand vous avez réfléchi, après le tour se passe super vite, hein. Donc lui, je l'ai laissé redresser parce qu'il a la capacité justement férocité, ce qui fait que quand il arrive, il est directement utilisable et il a d'autres capacités qu'on va pouvoir faire maintenant parce que la séquence s'active. Donc, calculez avec moi, monsieur Léandre, pour que je fasse pas des bêtises. Et donc lui, il inflige deux dégâts au Jouster et à Mercenary parce qu'il a une capacité perforant. Ok. Dis oui, Léandre, comme ça je dis pas de la bête. Ah bah oui, c'est ça, de toute façon. C'est Oui. inflige ses dégâts à l'unité ciblée et à l'unité si située derrière elle, sur Ok, la même donc deux ligne. dégâts ici, deux dégâts mercenari. Ensuite, Peel of Bones inflige trois dégâts à Jouster qui l'élimine. Parce qu'il avait déjà subi deux dégâts du sorcier. Donc tu peux le reprendre. Léandre est déconnecté, il va revenir, je pense, hein. Ok, donc je vais bouger le Jouster.
Mets-le à tout à droite. Ouais. Je le mets tout à droite dans sa main et je décale l'entièreté de ses cartes parce que ça, ça se fait automatiquement. J'aime beaucoup ça dans le jeu où en fait tout est réfléchi puis ça se passe, l'histoire se passe. Télékinésiste fait 2 autres dégâts à Mercenary. Donc elle a pris 4 dégâts au total actuellement. Elle a encore 2 points de vie. Elle a encore 2 points de vie. Et Inhabité Shield fait double de dégâts, je rappelle, parce qu'il est à côté de l'eau. Donc il fait 2 dégâts, éliminant ainsi Mercenary. Je la place tout à droite de sa main. Okay. Ensuite, en bas, mon gardien fait 6 de dégâts à son géant. Ce n'est pas suffisant. Donc son géant reste en vie. Mes créatures, je les redresse. Je fais simplement le fait de les incliner pour moi, pour le calcul, pour la démonstration. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire si vous êtes capable de plus facilement calculer. Et ce sera la fin de mon tour. Une fin de tour où j'ai l'avantage sur le board, mais où, si vous regardez bien dans ma main, j'ai plus qu'un seul point de vie. Et potentiellement, je pourrais mourir en un seul tour, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit de directement passer en tour de guet et que lui, il m'a réinflige encore d'autres dégâts qui m'élimineraient. Donc, c'est très dangereux pour moi. Je suis un peu en train de patienter et d'espérer qu'il ne se reconnecte pas. Alors, non, je viens d'avoir un message de Léandre. Alors, je m'excuse vite fait parce que ça a un peu foiré le setup. Mais Léandre vient d'avoir un comment on appelle ça ? Un écran bleu de Windows qui lui dit que son PC va redémarrer et qui s'excuse donc du problème. Il m'a envoyé la photo. Je vous invite en attendant du coup à aller financer le projet sur Kickstarter. Comme ça, avec les bénéfices supplémentaires, il pourra s'acheter un nouvel ordinateur. PC. Ouais. Et assurer une meilleure fiabilité lors des lives. Il n'osera pas le dire, mais c'est parce qu'il a vu qu'il allait perdre, donc il essaye de trouver une solution pour que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne la main. J'hésite à reprendre la main, tu sais, foutre le bordel dans sa game. Bah, tu peux au final en soi. Hein. Mais en soi, on a déjà présenté le jeu comme ça, donc dans le chat, n'hésitez pas à dire un peu ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un jeu où vous réfléchissez votre tour, puis vous lancez les créatures, et la séquence, elle se déclenche. Et il y a vraiment pas mal de capacités, vous voyez déjà les petites combos que j'essaye de faire, et ça, c'est que la version démo, il y a vraiment d'autres créatures qui ont d'autres capacités, d'autres combos. Et parce en que plus, ça fait dans le print and play, il y a combien en tout ? Il y a 36 cartes, c'est ça là, qu'il y a dedans ? Ou il y a un peu plus de cartes là dans le print and play ? Enfin, dans le module là qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et 36, c'est ça. Donc, et il y a moyen de tester le mode solo aussi avec. Il y a ce qu'il faut pour jouer solo avec la démo. Ouais, tout à fait. Et en plus, il y a d'autres modes dans la version Deluxe. On a parlé du mode Legacy, on n'a aussi pas parlé du mode coopératif. Il y a un mode 2 contre 2, 1 contre 1 contre 1. Bref, il y a d'autres modes qui ont été développés que je trouve très sympas pour permettre de s'amuser différemment. Même dans le mode actuel, c'est ce qu'il expliquait avec le draft. Mais moi, j'aime bien aussi le côté construit où j'arrive avec mon propre deck, c'est moi qui réfléchis. J'aime bien le côté draft aussi, hein, évidemment. Mais en fait, ça peut toucher un public qui est tellement large. Alors, j'ai une question, ce qui parle de 6 modes. Donc, il y a le mode classique, donc 1v1, le mode solo. Ouais. Il y a un mode 2v2. Ouais. Dans le mode 2v2, ça se joue comment ? À tour de rôle, en fait, chacun ouais. Oui, c'est à tour de rôle. Et je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer. Donc, normalement, il y a une petite image sur le Kickstarter. Mais il faut imaginer, vous voyez les doubles lignes, ok ? Il faut imaginer qu'il y a une ligne qui part d'un côté vers un joueur et une ligne qui part d'un côté vers l'autre joueur. Et donc, en fait, vous choisissez quelle créature vous mettez sur quelle ligne en 2 contre 2. Okay. Vous avez capté l'idée ? Des lignes qui se subdivisent ? Bien expliqué, ouais. Oh. Nickel. Eh ben, pendant que je fais perdre mes lunettes. Ok, donc on a dit 1v1, 2v2, solo. Après, il nous a parlé du, légende, du coop. Alors, coop, comment ça se passe le coop ? C'est tu joues entre guillemets comme le mode solo, mais à 2 contre l'ordinateur, c'est ça ? Ouais. Mmh. Ok. Et puis après, tu as le mode Legacy, donc c'est ce qui est prévu dans la campagne Kickstarter, donc avec les cartes qui pourront être modifiées au fur et à mesure avec les autocollants. Ouais. Et le sixième mode, c'est lequel ? 1v1v1. Ok. Alors, c'est un peu quoi. Alors, où est-ce que je vais dire ? Ça, c'est les pires des modes, ça, le 1v1v1. Ah, il est de retour. Hop, pour nous jouer un mauvais tour. Donc. Non, c'est pas si compliqué parce que là, t'as un système de bridge encore une fois qui se sépare. Donc, c'est C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est que, en gros, moi, ces modes-là, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais en gros, c'est vraiment le mode où tu te fais pas d'amis, quoi. Dans le sens où, où t'as, t'as toujours un qui essaie de négocier en disant vas-y, on se met. Enfin, en tout cas, quand je joue 1v1v1, je suis toujours en train de faire dans l'enfant en disant hé. Vas-y, on est potes, viens, on le défonce, lui. Oui, complètement. Après, les différents modes qui sont proposés, enfin voilà, le mode de base, c'est celui sur lequel on joue, c'est le jeu qui a été vraiment réfléchi là-dessus, le draft comme on est en train de faire, 1 contre 1, et tous les autres modes qui sont rajoutés, c'est pas qu'ils n'ont pas été réfléchis, attention, hein, mais ils ont été réfléchis pour rajouter des variantes au jeu, mais le jeu de base, c'est ce qu'on est en train de faire. Mmh. Ça marche. Et je rappelle qu'on a notre sponsor, San Pellegrino, qui est avec nous ce soir. Buvez, c'est important. Moi, j'ai de l'eau chaud fontaine.
Bon, alors je Léon voulais nous. Donner, Oui. une information supplémentaire. Si vous achetez la version de luxe, enfin vous achetez, vous financez le projet et que vous optez pour la version de luxe, vous aurez la possibilité de faire des tournois avec une boîte des luxe pour 8 joueurs. Il y a de quoi ouais. jouer pour 8 joueurs dans une seule boîte. Ça, c'est cool, ça. Donc, si vous êtes en association avec une seule boîte, vous pouvez faire jouer 8 personnes en même temps. Et dans mes souvenirs, la version basique, c'est déjà 4 joueurs. Bah oui, 2 contre 2. Mais donc, du coup, une boîte pour 4 personnes, ça va. Hein. Ah, on nous entend. Ah, on t'entend. Nous l'entendons. Est-ce qu'il nous entend? Ah, oui. Magnifique. Oui. Okay. En fait, merci, j'ai vu qu'il allait perdre. Du coup, j'ai essayé de feindre une déconnexion. Ça n'a pas marché. On m'a appelé directement par Messenger. Donc, je suis un peu déçu. Je reviens sur Tabletop. Ne bougez pas. Écoute, réponds à Jésus vite fait. Comment est-ce que ça peut fonctionner à 8? En fait, dans la boîte, tu peux jouer avec pour 8 personnes, mais vous ne faites pas une partie 4 contre 4 ou alors vous inventez une nouvelle manière de jouer. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui aiment bien faire des choses à 8. Hein. Faut pas les juger comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Je préfère à 2, moi. Non, non, en gros, c'est un peu. Je prends l'exemple de Super Fantasy Brawl où dans une boîte de luxe, tu peux jouer jusqu'à 4. Enfin, tu peux faire 2 parties en même temps. Parce que tu as voilà, deux plateaux ça, de jeu, tu as deux objectifs, enfin tu as deux paquets de cartes d'objectifs, tu as tout ce qu'il faut, tout le matériel pour pouvoir faire deux parties en même temps. Et donc là, ce que veut dire Cléonis avec le 8, enfin c'est Vianney qui le précisait, mais qu'en gros, vous pouvez faire donc du 1v1 8 fois en fait avec une boîte de luxe, c'est ça, je dis pas de bêtises. En 4 fois du coup. En 4 fois 2, excuse-moi. Non, pas 8 fois, 4 mais... fois. Oui, 4 fois. Parce que oui. Oui, non, parce que sinon ça fait 16. Tu peux jouer en simultané avec 8 joueurs qui jouent avec le même, enfin avec le matériel qui est contenu dans la boîte. C'est ça. Ouais. Il y a Jésus qui dit OK propre. Exactement. Oui, je valide. C'est très très bien. C'est très bien. Pendant que tu peux découvrir que j'étais bien presque vaincu, mon cher Léandre, mais que en contrepartie. Attends, je suis en train de me reconnecter. Ouais. Attends, mais il va découvrir qu'en contrepartie, il a récupéré des cartes dans sa main. Donc, il a plus de mana au début de son tour. Donc, il peut invoquer plus de cartes et donc revenir dans la partie ou pas. Ou pas. Ah, alors en fait, ce qu'il faut, là j'analyse vite fait, mais en gros là tu lui as quand même détruit quand même pas mal de monstres. Mais en fait, en gros, détruire les monstres, c'est pas. En fait, je dirais que Léandre a plus de. Là pour l'instant, réussi mieux sa partie dans le sens où il t'a déjà infligé pas mal de dégâts. Il te reste plus que 2 cartes en main. Donc c'est-à-dire qu'il t'inflige une attaque et en gros, enfin 2 attaques et il te détruit ta tour. Donc toi, tu es beaucoup plus vulnérable. Alors que lui, je dirais qu'il est dans une bonne position dans le sens où maintenant bah, il a beaucoup plus de mana, beaucoup plus de cartes. Ouais. Et c'est vraiment pas et mal dans... ce. Dans de nombreuses parties, il faut voir, enfin, je vais parler d'une moyenne, attention, mais en fait, c'est souvent un système d'aller-retour. C'est, je prends un peu des risques, j'essaye de passer, j'y suis pas arrivé, par exemple ici, puis lui, il va devoir se remettre sur le plateau, donc c'est lui qui va devoir prendre des risques, mais moi, je vais récupérer des cartes, et puis il y a bien un moment ou un autre où, au fur et à mesure de la partie, il y a quelqu'un qui arrive à infliger 2-3 dégâts, 2-3 dégâts, et en fait, ça se termine assez rapidement. Enfin, il y a cette tension qui est constante, parce que là, moi, je suis stressé, parce que j'ai que 2 points de vie en soi, c'est rien du tout. Donc, il faut que je fasse super attention à ce que lui, il va faire. Mais en même temps, j'ai des créatures sur le terrain, donc je suis un peu protégé. Tout est une question de choix. Alors, on nous pose la question, ouais, mais du coup... T'es bien protégé, niveau... surtout que... Ouais, vas-y, excusez-moi, oui. Le gardien me gêne un petit peu. Je te le cache pas que le bâtiment planqué derrière, là, qui m'empêche de rentrer les 2 de dégâts avec mon géant, c'est un peu dérangeant. Donc oui, la question, c'est par rapport aux cartes, parce qu'on dit que si on peut faire donc, du 4 x 1v1, est-ce qu'on aura un nombre de cartes x 4 dedans? Enfin, les cartes... Non, 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 c'est des cartes uniques. Cartes uniques, donc ça qu'en gros, il faudra que tu prépares Tout, des decks toutes les pour que cartes... ça... Mais c'est ça qui est génial. D'unité, de sort, de bâtiment sont des cartes uniques. Elles sont un seul exemplaire. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Je vous rappelle que vous jouez avec votre main au complet. Hein, dans votre... Il n'y a pas non, de mais... deck à proprement parler. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux faire un tournoi, il faut que tout le monde parte sur la même égalité. Si tu as une partie où tu as des cartes qui sont, entre guillemets, je dis ça, je ne connais pas le jeu, mais si tu as des cartes qui sont trop fortes sur une table et que tu as une table où il n'y a que de la merde, ça peut déséquilibrer le tournoi. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Parce que normalement, tu fais des paquets de... tu fais des paquets de draft et donc du coup tu sais jamais ce que tu vas avoir. Exactement, automatiquement. Non, mais c'était pour répondre à la question qui était. Donc pour les habitués de Magic ou n'importe quel jeu de cartes à collectionner qui joue en draft, l'équilibrage se fait déjà pendant le draft en réalité et pas sur le pool et de pas cartes. Sur le pool de cartes, ouais, tout à fait. Parce que les deux joueurs, quand ils vont jouer l'un contre l'autre, ont eu presque quasiment autant de chances de récupérer les cartes qu'ils voulaient. Presque.
Alors. Mais attends, Léandre, explique ce que tu es en train de faire là. Tu te permets de jouer comme Là, ça. Hein. Là, je suis en train de me faire déculoter parce que je suis mal sur les deux lignes. Alors, pourquoi je suis mal? Je vous explique ça. Parce que ici, on a un sorcier qui inflige 2 de dégâts en perforation. C'est-à-dire que je sais que mes deux unités là vont fortement décéder. Mais je suis obligé de mettre du board pour essayer d'enlever la pression. Cette petite coquille, mine de rien, est un peu gênante parce qu'avec son bouclier, il va absorber l'attaque de mon requin, premier dégât. Il peut attaquer tout de suite parce qu'elle a la férocité, cette unité. Ok, pareil donc lui, il attaque elle. Voilà. Voilà. Ensuite, le hunter va attaquer ici 2 de dégâts sur la coquille. Elle passe à 2. Et enfin, mon cochon va te terminer, va te terminer la coquille. Mais il m'aura fallu concentrer 3 attaques quand même et l'ensemble de mon mana pour venir à bout de simplement ta petite coquille. Bah, mon donc, cochon. En tout bien, tout honneur. Donc. Donc là je me dis que je suis quand même assez mal barré dans la mesure où tu as quand même un board encore de 5 cartes, dont un gardien. Je me dis que ça va être chaud. Enfin, mon géant en plus ne rentre même pas les dégâts parce que tu as effectivement, c'est très bien joué, un building, donc un bâtiment. Mon géant qui au précédent tour était passé, là est bloqué par le bâtiment qui encaisse les 2 dégâts. Du coup, c'est la fin de un joueur professionnel. Alors, il y a Phil qui pose la question, il y a un mode construit aussi, mais là par contre, si 2 joueurs veulent la même carte, on fait comment? Bah, il faut que chacun ait le même un exemplaire de jeu, bien sûr. Mais c'est pas interdit dans une partie en construit. Hein. On peut, les 2 joueurs peuvent jouer en deck miroir, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Complètement. On est d'accord que je démarre avec 8 de mana hein. Oui, absolument. On est d'accord que c'est pas cool pour. Non. Si, pardon, j'avais pas vu le mana 1000. Ouais, 8 de mana. C'est pas cool, hein, 8 de mana, ça fait un peu mal. C'est pour ça qu'il s'appelle mana 1000, je pense. Et du coup, si je joue, mon cher Léandre, les 2 cartes à droite de ma Watchtower, elles se retournent automatiquement? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par elles se retournent automatiquement? Ah oui, la Watchtower est détruite. Ouais, donc, donc j'ai pas le droit de jouer la carte la plus à droite, celle que tu viens de tuer. T'as le droit, il y en a qui ont essayé, ils ont des problèmes. oui, non, en fait, moi je suis pas trop mal. Hein. Ça c'est hyper important de le préciser en fait, c'est-à-dire que là, Cléonis est quand même coincé un petit peu, c'est-à-dire que s'il veut pas perdre de points de vie, il peut pas jouer les cartes à droite de sa tower, quoi. C'est trop risqué. C'est ça. Exact. Donc lui, il va attaquer là et là. Lui, il va attaquer là. Dans Clash of Decks, c'est tous ces choix cornéliens complexes. C'est clair. Salade tomate oignon sur cette manche là. Oh, mon Dieu. Et pendant qu'il est en train de réfléchir à voix basse, je vais pouvoir réfléchir à haute voix. Si en l'état on laissait comme ceci, le sorcier attaquerait le cochon et infligerait 2 ainsi que le hunter. Le hunter meurt et revient dans ma main à l'extrémité droite. Ok. Puis le squelette ici attaquerait directement le charcoteur. Le squelette ne peut pas attaquer les unités volantes. Et enfin, le télékinésiste, lui, peut attaquer les unités volantes parce qu'il a la petite cible. Et donc, il terminerait mon cochon. Donc là, en l'état, sans qu'il rajoute que ce soit, il me lamine ma ligne. Mais, en gros, ça, si je fais ça, moi qui réfléchis aussi à haute voix, ça lui renvoie des points de vie, alors que le but, c'est quand même de l'éliminer. C'est ça. Et en bas, c'est tout pareil. Je suis bien dans la misère parce que Manamil va infliger 3 au géant et le gardien va le terminer. Donc en fait, là en l'état, je n'ai plus de board. Et donc en l'état, j'ai pas besoin de jouer de cartes, mais en même temps, ce serait dommage de pas en jouer une, au moins. Des fois, c'est plus pertinent de ne pas en jouer que d'en jouer. Ça dépend. Fait, ouais. Ça dépend ce que tu as en main en fait. Oui, ben non, je vais jouer quand je sais ce que j'ai en main. Mais, Oui, fais-toi plaisir. Et je t'avouerais que j'aurais préféré pouvoir jouer ma. Ah, quoique, ou alors je tente le coup de poker. Attends, oui, vas-y. Fais du spectacle, Cléo. Non, mais en fait, le poker, c'est un peu pas très intelligent. Donc, il faut jouer en bonne intelligence quand même. Non, mais joue-en une quand même. Alors, oui. J'ai joué le pimp pour 4. Si vous ça, c'est logique, en fait, de jouer ça. Et ensuite, je t'annonce. Ah, attends. Je peux peut-être quand même. Concorde avait une question, attends. Non, c'est vas-y, bon. Vas-y, ah, pardon. Voilà, tu peux pas me l'étale, là, je pense pas. N'hésitez pas. Mais en fait, c'est ce que je calculais pour voir si j'avais l'étale, mais je l'ai pas. Alors, je suis pas loin. Je me permets de te dire un truc, Icord, c'est que des fois, en fait, ton micro, j'ai l'impression qu'il est en diesel. Tu sais, au départ, on t'entend un tout petit peu, et après, au fur et à mesure, t'as le son qui monte un petit peu. Donc, vas-y, redis ce que tu voulais dire avant que tout le monde te coupe. Et je vais dire au chat de ne pas hésiter à dire s'ils pensaient que l'un ou l'autre allait gagner et si ça a changé par rapport à leur première prévision, parce que du coup. Mais moi là, je suis sûr. Oui. Alors, c'est un jeu.
C'est un jeu comme dans pas mal de jeux de cartes. À un moment donné, quand on connaît son jeu, quand on connaît le jeu de l'adversaire et qu'on voit la situation, c'est tout à fait possible et admis dans le jeu d'abandonner. On peut dire, là, je sais que je suis lucide sur le jeu, je sais que j'ai 0% de chance de gagner, je peux abandonner. Je ne vais pas le faire parce qu'on va montrer comment ça fonctionne, mais là, je pourrais très bien le faire. Oui. Et moi, je vais montrer la séquence d'attaque parce que je termine mon tour là-dessus. C'est intéressant. Vas-y, Ouais, bah explique-nous. oui, bah c'est parce qu'il faut quand même que je garde des cartes en main. Du coup, le Imp, lui, il est arrivé avec férocité. Il attaque Celestial Snoot. Il a pris deux dégâts, Celestial. Sorcerer fait deux dégâts à Celestial Snoot, donc il meurt, et à Hunter, qui meurt aussi. Boum, boum. Donc je les récupère à l'extrémité droite de ma main. Tout à fait. Ensuite, Le, hop, lui revient le plus proche. on a la Pile of Bones qui fait 3 dégâts à la créature ici, donc elle retourne dans sa main. Et enfin, pour la première fois dans cette partie, quelqu'un fait des dégâts normaux. Des dégâts où on peut décaler sa tour, mais vous voyez qu'il a encore beaucoup de points de vie. Ensuite, pour ce qui est d'en dessous, Mana Hill attaque pour 3, puis Gardian attaque pour 6, j'ai éliminant ainsi donc son géant. Il se retrouve sans carte sur le board, mais avec beaucoup de cartes dans la main, donc beaucoup de mana pour commencer son tour. Ça. Mais bon, pour revenir de cette situation-là, ça va être compliqué. Je pense que je pourrais essayer de contrôler un peu le board en haut, mais j'ai peur de ne pas pouvoir tanker les dégâts en bas. Après, là où c'est intéressant, c'est que je vais me prendre 3 dégâts. 1, 2, 3. Ouais, je vais faire ça. J'ai une stratégie. J'ai une stratégie. Let's go. Déjà, avec combien de mana tu commences? Avec. Oh là, je vais te mettre tellement mal sur l'Indio, tu vas pleurer ta mère. Mais Pardon. Je vais être un peu grossier. ma T'es maman. prêt? Oui. Là, je commence avec 9. T'as pas encore vu Ouf. celle-ci. Ouh, l'archerie. Si, je connais. Donc Alors ça 6, tu voulais déjà, et dire. ensuite Ah oui, pourquoi tu dis 9? Ça coûte, elle te coûte 19 6. de mana au total. Ah oui, 19 de d'accord, mana au total. Et en bas, il va falloir que je tanke un peu quand même les dégâts, parce que ça picote, hein, mine de rien. merci pour le nouveau follow. Je vais mettre un jouster. Donc je vais mettre juste 2 cartes, mais rien qu'avec ça, je vais quand même le mettre en situation délicate. L'archerie est très forte parce qu'elle a une capacité qui est, c'est spécial évidemment, qui est rafale. La capacité à côté des crocs. Cette attaque, enfin, à chaque fois que mon unité va attaquer et détruire une unité, elle va attaquer de nouveau. À chaque fois qu'elle va détruire une unité. Donc là, concrètement, ce qui se passe, c'est que l'archerie inflige Il a 3 à tué tout le monde. Telekinésiste qui meurt. Lovebone se prend 3, il meurt. Sorcereur, il prend 3, il meurt. Et Imp prend 3 et il décède. Allez, remonte ton Slimar à l'autre. Et en dessous, il ne Ouf. se passe rien parce que Jouster va juste tanker les dégâts. Et là on dit archerie, c'est OP, c'est dégueulasse. Et ouais, clairement. Alors, Et elle est pas mal, mais elle, par exemple, tu vois, elle ne peut pas cibler les unités volantes. Là, il y a eh ben mon imp, un petit c'est volant, d'accord. non? Eh, tu pouvais C'est pas attaquer abusé. mon imp alors? Ah oui, c'est vrai, ton imp, je n'attaque pas. Il est à le vol, autant pour moi. Ah C'était pas ah! si bien que ça, tu vois, comme tour. En Alors, vrai, là, je suis bien revenu. Là, je suis on bien me. revenu. Donc, c'est un jeu où il y a possibilité, avec certaines cartes quand même, et certaines combos et certaines dispositions de cartes, de permettre de revenir dans la partie. Même si je reste toujours en posture assez fragile, on va pas se le cacher. Pas Odile directement. demande si les cartes vont être au format Magic. Oui, c'est que Non, ça. elles seront en format bridge. Format Magic, c'est 88 par 63 mm. Là, ça sera 89, un tout 1 mm plus grand, pour 57 mm, donc 6 mm plus fin. Du coup, tu offres les sleeves. Absolument pas. Ah. Non, mais là, je montre On une carte, essaye. parce que j'ai une carte de Magic, avec, et je pose une carte que j'ai coupée, forcément pas forcément très droit, parce que je suis très polio. Mais on voit qu'il y a quand même une En petite sachant, différence là. sachant que le format que tu as sur la. Le format que tu as, je suis pas sûr qu'il soit exactement au bon format bridge. Ok. Sur le kit de démo. Non, mais c'était pour vous montrer au moins visuellement par rapport à ce que j'avais par rapport au kit de Bien démo. sûr, bien sûr. Mais moi, je parlais juste en termes de précision, vraiment, Ok. pour apporter quand même de la Non, mais pierre. Et tu le fais bien, format. tu es Du exactement là coup. pour ça de toute façon, donc comme ça, c'est vite que je dis des conneries. Ekleonis. Le format Ouais. bridge, du Vas-y, coup, reviens, c'était reviens. pour mieux gérer la main, c'est ça? Pardon? Le choix du format bridge, c'était pour gérer plus facilement la main C'était avec surtout des par cartes rapport moins au. épaisses, moins larges, pardon. Alors, c'était pour 2 choses différentes. C'était pour le côté un tout petit peu plus fin de la carte, qui permettait de faire entrer 4 cartes sur les plateaux, sans être hyper tassé. Et il y avait aussi cet aspect de le format des cartes en 41 par 63. Quand on le grandit,
donc le format de taille originelle des cartes à découper soi-même du format de l'année dernière, quand tu le grandis, proportionnellement, ça fait quasiment du 89 par 57. Et donc ça correspond proportionnellement à la même taille que les petites cartes. Ouais. J'ai pas besoin de retravailler un design avec des cartes un peu plus larges, donc de refaire le design un peu plus large. J'ai juste à quasiment que agrandir la carte. Quasiment, je dis, parce qu'il y aura un petit peu de travail quand même. Est-ce qu'il y a des sleeves qui sont à cette taille-là ou pas? Oui, c'est un, oui, c'est des, c'est un format standard. Ok. Donc oui, il y a des formats standards. J'ai terminé mon tour. Il est pas très intelligent, mais c'est pas grave. J'ai remis tout en haut. Imp, attaque, archerie, il se passe rien. Ensuite, okay. Mana, heal et Guardian vont éliminer Jouster. Ok, c'est étonnant que t'avais pas de créature avec férocité. Non. Okay. C'est dommage parce que là, t'aurais pu rentrer masse de dégâts. Hein. Oui, si t'avais par exemple. En fait, si j'avais réussi à te tuer Imp, finalement. Ça m'aurait arrangé. J'aurais été plus dans. Ouais, exactement. Tu l'aurais mis là, tu m'aurais attaqué Jouster, t'aurais fini Jouster avec le mana heal. Et après le Guardian serait passé, tu m'aurais mis 6 dégâts ouais. Et ma tour de guet aurait été éclatée. Et là, pour le éclatée coup, au sol. La férocité importante. Mais bon, et en plus c'est dangereux ce que je fais avec le archerie que je laisse en jeu, mais bon. Donc là, quand même, hein, mon Jouster est décédé. Oui, tout à fait. Et c'est à toi de jouer. Je prends les dégâts. Et c'est à moi de jouer. Soigner. Voilà, je peux pas passer ça, ça c'est infernal. Je vais pas pouvoir tanker tout ça. Hein. Parce que. Une partie d'initiation qui est ultra passionnante. Moi, je regarde ça avec beaucoup de. C'est tout initiation en fait. Ici, on est vraiment dans notre vie. C'est ça, là c'est même plus initiation. Là, je joue ma vie. Hein. Donc là, ça me fait 3. Mais c'est quoi toutes ces créatures avec férocité là? 3 et 3. Ah, mais surtout qu'en plus, ça permet aux gens de pouvoir poser des questions au fur et à mesure. Il me reste 2 mana, mais je vais pas les utiliser. Donc c'est pas hyper bien géré mon mana, mais. Je pense que j'ai besoin de réactivité, là, sinon je vais me faire dépasser. Est-ce que la boîte de rangement aura prévu le coût des sleeves ou pas? Qu'on nous pose la question dans le chat. Est-ce que ce sera pris en compte? La boîte de rangement, est-ce que... Oui, absolument. Alors, là, actuellement, c'est un calage carton imprimé. Okay. Il y aura peut-être un stretch goal pour avoir un thermoformage, peut-être, mais ça, je ne vais pas trop spoiler. Mais peut-être. Mais c'est dans c'est tout... déjà fait, non? Dans tous les cas. Non, mais après, je dis ça, moi, je ne suis pas spécialiste du projet. Hein. moi, je suis ça de loin. Hein. Vas-y, je vais jouer ça, je n'ai pas très réfléchi. Ouais, attends, je vais te laisser gagner. Je pense que tu dois expliquer une règle importante s'il y a des gens qui ont bien suivi ce jeu depuis le début de la partie, parce que tu joues rien en dessous. Et si tu regardes un peu tes points de vie et le total de mes dégâts, il y a un petit souci. Non, ça devrait. Ah, non, regarde. La Watchtower va faire 1, 2, 3. Ouais. Ensuite, mon Guardian, il va faire 6 et il va juste me prendre 1 de dégâts. Mais donc, c'est important à préciser. C'était ça que je voulais préciser. Ah oui, pardon. Excuse-moi, je n'ai pas compris ta question, mais c'est vrai. La Watchtower et, le Château Fort, ce sont des cibles différentes. C'est-à-dire que si à un moment donné, ma Watchtower est ici et je me prends 6 de dégâts, je fais 1, 2, 3, 4. Il en prend que 4. En fait, elle absorbe l'intégralité de l'attaque. Ok. Elle transforme en château fort et je la place côté gauche. Mais le château fort ne va pas se prendre le reliquat des 2 dégâts manquants. Parce que j'ai été assez clair. C'est technique. Hein. Moi qui connais les règles, j'ai compris. Ouais, mais c'est pas moi. Hunter X Hunter. Ah, c'est nul ce que j'ai fait. Vas-y, c'est pas grave. En fait, je te tue juste ça, je crois. Il tue Imp. Shark, j'absorbe les dégâts. Et Archerie, j'absorbe les dégâts parce qu'elle fait que 3. Ah ouais, ça c'est terrible. À 1 PV, quoi. Terrible, terrible, terrible. 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 Ah, mais là, c'est fini. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est fini. Je l'ai vu, moi, tout de suite. dans la partie avec l'archerie. Mais en fait, le Guardian, je n'ai pas la tempo pour le déloger. Et surtout que je commence avec 10 de mana. La base. La base, moi, je trouve. Dur. Dur, dur. Franchement, c'est le minimum. Et quand tu aurais pu l'avoir, le Guardian. Le Guardian, j'aurais peut-être pu l'essayer. Est-ce que on est d'accord que Férocité ne peut pas t'attaquer, sinon j'aurais gagné. Ça, on est d'accord. C'est embêtant, ça. Du coup, ça me demande des calculs. Désolé, hein, je voulais pas te déranger. Hein. Bah écoute, voilà, je suis avec, hein, mais
Mais franchement, mais c'est un peu décevant. En gros, là, si tu arrives à bon, t'ajouter, par exemple. Ben non, mais là, tu as gagné. Tu mets le imp ici et tu gagnes normalement. Oui, ben, c'est ce que je suis en train de calculer. Regarde. Non, moi, si tu veux, je préfère, un peu en fait, je préfère me faire. Alors, je vais me faire perdre. Écoute, juste, alors attends, juste bon, une question. On nous pose la question, pourquoi tu avais 10 de mana? Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi tu avais 10 de mana. Ouais, grâce à cette carte aussi qui s'appelle Télékinésist et Mana Heal, qui ont un pouvoir qui me donne 2 de mana supplémentaires. Alors si j'ai des créatures adjacentes et elles toutes seules, donc ça fait plus 6 et j'avais 4 cartes en main, ce qui fait 10. Donc le petit logo bleu, enfin pas le petit bleu, mais ouais, le cercle turquoise. Le catalyseur, ça s'appelle. Mmh. Voilà. Catalyseur, voilà, le catalyseur qui permet de générer du mana supplémentaire si l'unité est en jeu au début de ta phase de régénération du mana. Et donc c'est marqué quand c'est joué, voilà, c'est ça, 2 phases de mana, exactement. Voilà. Alors, bon, j'ai joué 2 cartes avec férocité, du coup on va pouvoir commencer le tour. Et on va commencer avec le sorcier qui fait 2 dégâts perforants, donc archerie et le monsieur là derrière qui meurt. Le imp, attaque, fait encore 2 dégâts à archerie, donc il lui reste 1 point de vie à archerie. Ouais. Peel of Bones, lui, il fait 3 dégâts, il élimine la archerie. Mais donc, du coup, vous voyez que je lui redonne des points de vie, hein, quand même. Ouais. Je vais décéder quand même. C'est pas grave. Télékinésiste fait 2 points de dégâts Hunter. Et ensuite, on en arrive enfin à des dégâts. Sinon, c'est pas marrant. Je sais pas si j'ai bien calculé. Donc là, je sais pas comment ça s'appelle ça. L'Inhabited Shield. La coquille fait 2 dégâts parce qu'elle est tout près de la bridge. Donc 1-2. Ensuite, on arrive en bas. Il y a 3 dégâts à Mana Heal. C'est pas suffisant, hein. Wow. Non, tu vas juste me péter ma tour de guet. Et Guardian fait 6 dégâts, mais je vous rappelle que ça absorbe. Donc là, hop, ça se transforme en château fort. Hop. Et du coup, imaginez mon château fort ici. Imaginez qu'il y a des unités qui ont approché de la tour de guet, qui était la première défense du royaume. La tour de guet est tombée et les unités continuent d'avancer vers le château. Enfin, ça matérialise ça, en fait. Est-ce que le mana mill peut attaquer les PV? Oui, il n'a pas de contrainte. Oui, en fait, il y a une capacité qui s'appelle défenseur, mais là, en l'occurrence, il ne l'a pas. La capacité défenseur, ça permet d'infliger des dégâts aux unités adverses, donc créatures et bâtiments, mais pas à la tour de guet et au château fort adverse. Ouais. T'as un malus, t'as pas, en soi. T'as pas moyen là, de rebalancer ton archerie en bas là? Ouais, parce pour essayer de percer. Ouais, parce que le guardian, il est ultra... Il va pas passer le guardian parce que le guardian a bouclier. Limite, son archerie, elle est intéressante au-dessus s'il s'occupe de ma coquille. Parce qu'alors, du coup, il rase tout mon board. Mais là, t'es pas mal. C'est très bizarre de dire si je m'occupe de ta coquille. Occupe-toi de ma coquille. Et si tu tues ma coquille, tu mets l'archerie derrière et tout mon board en haut meurt. Sauf le imp. Ouais. Je peux pas en fait parce que j'aurais pas assez. En plus, l'archerie elle est là, elle est à l'extrémité elle est là-bas. Droite. Est-ce que t'as un beau truc à montrer là, Léandre, avant de mourir? Attends, comment ça avant de mourir? Et je réponds que c'était perdu d'avance. Cultiver, la réponse est non. Les créatures avec férocité, mais tout est super bien expliqué. Est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu, Mathieu, dans le jeu? Donc décale-toi un petit peu pour vous zoomer sur les capacités et du coup, ça permettra à tout le monde de les voir sans nos têtes. Voilà, ça. Et du coup, ça va permettre d'avoir plein de réponses aux gens. Mais vraiment, cette aide de jeu, elle répond à tout. Et si vraiment vous avez un problème encore à ce niveau-là avec l'aide de jeu, vous avez une FAQ qui est super bien sur le site, qui répond encore plus précisément à tout. Si ça ne suffit pas, parce que la foire aux questions. 4. Et tiens, je vais jouer un sort pour le fun. Ok. Ah, là, en l'occurrence, c'est pas très value. Mais on n'a pas vu le sort, donc je vais juste le montrer. Le sort, qu'est-ce que c'est? C'est une carte, quand vous la posez en jeu. Jamais, enfin en jeu, vous la posez face visible, vous montrez ce que c'est, vous ciblez une unité et ça va infliger des dégâts. Donc là en l'occurrence c'est une boule de feu, une fireball, elle va infliger 3 de dégâts à une unité, donc je vais la choisir. C'est là où c'est très fort, c'est pas comme une unité où l'attaque est déjà réglée et automatisée, là vous choisissez la cible. Donc là je peux très bien choisir d'attaquer par exemple le imp ou le sorcier ou le qui je veux. Et ce que ça fait, c'est que ça fait splash. Ça va infliger des dégâts également sur la créature adjacente. Donc là, je peux très bien faire une boule de feu sur Télékinésist. Le Télékinésist va décéder. Et ça infligera également 3 de dégâts au mana mill, qui a 6 de dégâts. Donc ça ne sert à rien. Mais je tue quand même la Télékinésist. Je remets la boule de feu à l'extrémité droite de ma main. On décale toutes les unités sur le plateau. Et là, je prends ma saucée. Bonjour, bonsoir, au plaisir. Ouais, et on est d'accord que du coup tu pourrais jouer plusieurs fois ta carte. Alors, tu parles de la boule de feu? Ouais. De feu, non. Parce qu'il faudra attendre qu'elle revienne dans les 4 cartes à gauche de ma main. Oui, mais si jamais elle était dans les 4 cartes à gauche de ta main,
n'aurait que 4 de mana. Voilà. Vous avez tout compris, la logique. Mais admettons, non, mais en fait, c'est une vraie bonne question. Toi, tout à l'heure, tu avais 4 cartes dans ta main et tu avais 10 de mana. Imagine que tu avais la boule de feu. Imagine avec la boule de feu, tu peux la jouer 2 fois. Voilà. Mais c'est très spécifique et c'est très difficile et c'est très rare et c'est très bien réfléchi. Je me demande qui a fait l'équilibrage de jeu. Franchement. Je ne sais pas. Il a bien. Est-ce que je dois vraiment jouer mon tour ou est-ce que c'est bon, tu concèdes comme ça? Bah, peut-être juste te montrer la résolution des dégâts. Nous, on va dire que tu passes ta phase d'invocation, juste les dégâts pour montrer. On montre la résolution des dégâts. Est-ce qu'on a vérifié que je gagnais vraiment? Oui, je gagne vraiment. Oui, large, t'as le gardien. Le sorcier. En fait, t'as l'étale juste là. Oui. Le sorcier fait 2 dégâts à Mercenary. Imp fait 2 dégâts à Mercenary. Peel of Bones fait 3 dégâts à Mercenary. Elle meurt, elle retourne à droite dans sa main. Et ensuite, je lui inflige 2 dégâts. Elle a bien tanké, elle a tanké 3 créatures. Je lui inflige 2 autres dégâts pour de ma coquille vide. Hein. Cette fameuse coquille vide qu'on se souviendra dans cette partie. Hein. Je crois que je vais beaucoup l'aimer. Ensuite, Mana Heal fait 3 dégâts. Donc 1, 2, 3. Et enfin, mon gardien qui est là depuis le début fait 6 dégâts, l'éliminant ensuite, me proclamant champion du monde non officiel de ce jeu continuellement. Bien joué. Et bien joué aussi, Vianney, pour le Discord. Il y a un Discord officiel qui est ouvert depuis une semaine, si je ne dis pas de bêtises, de Clash of Deck. Un peu plus, je sais. 2 semaines peut-être. Deux semaines. Il n'y a pas longtemps en tout cas. Donc ouais. Voilà, si vous êtes sur Discord, et vous pouvez rejoindre la communauté pour pouvoir faire des parties sur Tabletop Simulator, pour discuter autour du jeu. Enfin bref, il y a toute une communauté qui... Vas-y. Qui se crée tranquillement sur Discord, effectivement. Là, ce qu'il faut bien retenir dans l'exemple de la partie, c'est que il faut bien comprendre que le draft, c'est 50% du jeu. C'est 50% de la victoire. Là, en l'occurrence, j'ai pris aucun contre. J'avais rien. Ou alors, je pouvais très difficilement gérer son gardien, qui m'a mis un peu dedans. Ouais. Et la coquille contrait tellement bien mon archerie que j'ai dû la sortir, mais que tard dans la partie. Mais pour vouloir faire lui-même. Hein. Avec son bouclier, en fait, la coquille plus les 4 PV, donc 1 PV au-dessus de l'attaque de l'archerie, et ben, ça me contrait vachement bien. C'est ces deux cartes qui m'ont vraiment, pour moi, mis le plus dedans. Okay. Pendant que je suis en train de montrer les autres cartes, hein, parce que je trouve que c'est sympa de passer vite fait en revue les autres cartes qui font plein de trucs. Question dans le chat, c'est sympa. Oui, je voulais la poser, mais vas-y. Ah bah vas-y, Mathieu. Non, vas-y. Je suis en train de montrer les cartes. Montre les cartes pendant ce temps. Ouais. Aucune compétence dédiée à une carte, par exemple, ne permet de piocher, choisir une carte de la pioche pour l'intervertir avec une autre carte de son choix. De changer une carte, en fait, quand une fois que tu as fait ton recrutement des 8 unités, de changer une de tes cartes, c'est ça? Par une autre. Actuellement, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe dans ce système de perdre une carte ou d'en gagner une, c'est la capacité mercenaire. Mercenaire, c'est un malus. En général, c'est des grosses créatures qui coûtent pas très cher et qui sont très fortes. Donc, quand vous les jouez, il y a un véritable impact sur le terrain. Par contre, dès qu'elle meurt, c'est pas vous qui la récupérez, c'est l'adversaire qui va la récupérer. Ça va donner un mana de plus à l'adversaire, un point de vie de plus, et en plus, il va bénéficier de cette créature qui est très forte. À son tour, il pourra la jouer dans la partie, et si vous la détruisez, c'est vous qui la récupérez. Donc, c'est une créature comme ça qui va faire le yo-yo entre les joueurs. Voilà. Oh, j'aime bien le petit... Tu peux parler un petit peu des designs? Qui a fait ces magnifiques designs? J'aime bien le perroquet, par exemple, Mana Packer. Alors, l'ensemble des illustrations, ce qui est assez rigolo dans ce jeu, c'est que c'est pas le jeu qui a dicté les illustrations, c'est les illustrations qui ont permis la création du jeu. Donc les illustrations existaient avant le jeu. C'est des assets qu'a créé le studio Rexar, donc c'est un studio d'illustration qui crée des illustrations de jeux, et moi j'ai dit « Hey, ils sont vraiment cool ces illustrations, ça irait parfaitement pour mon jeu !» Et j'ai récupéré tout son travail. Donc j'ai de quoi faire environ... Actuellement, avec les illustrations, le pack d'illustrations que j'ai, je peux faire environ 250 cartes. Après ça, donc, en fonction de s'il y a une communauté qui se greffe autour du jeu, si je veux des illustrations supplémentaires, je devrais cette fois-ci faire des vraies commandes d'illustrations. Ok. Il faudra plus de temps. Mais je les trouve très sympas. Moi aussi, j'aime beaucoup un côté Hearthstone, Warcraft, mais en même temps, peut-être plus enfantin, plus léger. Plus bien. Cartoonesque. En fait, ce que j'adore, c'est celles qui ont un style un peu décalé. C'est pour ça, allez, le,
le Celestial Snoot, là, le Groin-Groin ou le Giant. Enfin, voilà, j'aime bien le côté un peu décalé, mais pas trop. Alors, on voit peut-être pas forcément au premier coup d'œil, mais tu vois, il y a un travail sur chaque. Bien, nous, ce qu'on a voulu faire en sorte, c'est qu'il y ait l'illustration sur quasiment toutes les cartes, l'illustration qui sort du cadre, pour donner un vrai relief au jeu. T'as l'impression que l'unité est presque vivante. Pour le géant, en l'occurrence, tu vois, on a, pour lui donner l'illusion que, qu'il est grand, on a baissé son pseudo, on a tout rétréci en bas, et on l'a fait vraiment frotter le haut de la carte pour montrer que c'était un géant. Et sur chacune des cartes, on a travaillé pour mettre l'illustration le plus en illustration, le concept d'illustration le plus en valeur possible. J'aime bien le mercenaire avec l'arme sur la zone de texte. Ou le joueur avec l'épée qui dépasse. Ouais, l'épée qui passe par en dessous. Et j'espère que le loup de Giv va revenir rapidement. Alors, justement, alors ça, c'est le kit de démonstration. Là, on peut voir qu'à combien de capacités, je pense qu'on a au moins 10, peut-être 10 ou 11, en sachant que que ce soit la version de luxe ou la version basique, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a 28, en tout. Il y a 28 compétences spéciales, capacités spéciales. Il n'y en aura pas d'autres débloquées pendant la campagne parce que c'est une question d'équilibrage. Il y aura des cartes débloquées, mais pas de nouvelles compétences. Mais non, c'est déjà bien. Et vous partez pas en courant avec peut-être la peur de 28 compétences. C'est super simple. Tout est écrit, encore une fois, dans les aides de jeu. C'est pour ça que je le répète au niveau des compétences. Il y aura des decks préconstruits. Mm-hmm. Des decks préconstruits pour se familiariser avec les compétences au fur et à mesure des parties. Donc normalement, au bout de 4 parties, si vous avez essayé les 4 decks de préconstruits, vous connaissez toutes les capacités spéciales. Et juste en visualisant l'icône, vous saurez exactement ce que ça fait. Moi, je peux peut-être commenter Peut-être, tu vois, un petit truc un peu scénarisé, tu vois. Il y aura petit lore autour. Bien. Pour commenter un petit peu l'évolution aussi du jeu, moi je finance par Tipeee Léandre depuis avant en fait que Clash of Deck existe. Et du coup, sachez que en donnant de l'argent à Léandre, on peut devenir un de ses copains. sinon c'est mort. Ah sinon c'est mort. Hein, c'est bon. Non mais du coup on a quand même pas mal discuté du jeu avant même qu'il sorte finalement. Et même moi la première fois où j'ai joué. Les capacités des personnages se déclenchaient pas dans le même sens. T'as changé les règles après. Ouais, c'était d'abord près du pont et après. Exactement. En fait, ça manquait de dynamisme, c'est-à-dire que les unités avec férocité normalement composaient à l'extrémité. En général, c'est les dernières cartes qu'on pose. On veut qu'elles aient un impact tout de suite. En fait, on veut pouvoir gérer les unités adverses avec. En l'occurrence, là, l'activation se faisait à inverser. On commençait à attaquer avec la créature la plus proche et on finissait avec la plus loin. Et du coup, en général, la créature avec férocité, la ligne était déjà vide, que la créature avec férocité n'avait pas d'impact. Mmh. Avait peu de sens. Et ça, c'est Christian, qui est aussi éditeur, qui m'a fait remarquer ça, du Scorpion Masqué. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le Scorpion Masqué. Et donc, c'est un jeu quand même qui a été dans quelques mains comme ça, et des conseils de professionnels, qui m'a permis d'affiner un petit peu la mécanique, et qui aujourd'hui n'a pas bougé depuis un an. Parce que pour moi, elle est très satisfaisante. Et de fait, voilà. Ça quand même. Pardon. Non, j'avais une question par rapport au chat, parce que je pose la question si on refait une nouvelle partie ou pas, donc ça répond oui. Mais il y a quelqu'un qui pose la question si on peut faire un 2v2 sur le tabletop. Est-ce qu'on a assez de cartes pour faire un 2v2 ou pas? Est-ce qu'on a assez de cartes pour faire un 2v2? Il y en a 16 en plus. Attends, une toute seconde. Vas-y. Je crois que j'ai ma pizza qui arrive. Ah, ok. Du coup, à la limite, je peux peut-être combler un petit peu en disant que, du coup, moi, j'ai vu arriver les sets au fur et à mesure et j'ai lu les compétences, enfin, les capacités spéciales au fur et à mesure. Ce qui fait qu'on. Là, aujourd'hui, les gens qui vont financer le projet sur le Kickstarter ont 28 compétences. Il faut se dire que si on compare à un jeu de cartes à collectionner traditionnel, une compétence, c'est un mot-clé, en fait. Un mot-clé, ou comme sur un Magic ou sur un Keyforge, où on va avoir insaisissable, enfin voilà quoi. Et là, en fait, dans ce jeu-là, 28 mots-clés, dès que vous avez une boîte, ça vous donne une profondeur de jeu et un nombre de possibilités qui est juste hallucinant pour démarrer le jeu. Moi, quand j'ai commencé Clash of Deck et les premières parties que j'ai faites, il y a juste les mots-clés du set numéro 1. Mmh. Et quand Léandre nous l'a présenté, le jeu comme ça, il nous a dit...
je vais vous faire 7 extensions, mais qui sont des standalone, donc qui peuvent se jouer normalement séparément. Donc on peut jouer que le set 1, que le set 2, que le set 3, et ainsi de suite. Et après, avec l'expérience dans le jeu, on peut se permettre de tout mixer. Et en fait, la boîte, finalement, vous propose de jouer en mixant tout. Mais rien ne vous empêche de ne jouer que le set 1 ou que le set 2 entre eux. Parce qu'ils ont quand même été conçus et ils ont quand même été sortis tous les mois depuis la première édition jusqu'en fin d'année 2020. Donc, les gens qui le découvrent sur Kickstarter vont vivre... un truc qui est peut-être un petit peu plus, je dirais pas complexe parce que c'est exagéré, mais on va dire que ça va être plus riche d'apprentissage si vous mélangez toutes les cartes d'un coup, parce que vous allez vous prendre tous les mots-clés d'un coup dans la tronche. Ce qui peut faire peur, mais en réalité, le mode démo, les decks préconstruits que Léandre va fournir dans les règles, permettront d'apprivoiser la montée en compétences et la montée en capacités spéciales différentes au fil des parties, avec notamment le mode Legacy aussi, qui va vous permettre de découvrir les capacités spéciales au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une grosse profondeur au jeu, mais comme l'a dit de nombreuses fois Cléonis, c'est richement documenté, et Léandre est souvent disponible pour répondre à des questions auxquelles il n'aurait pas déjà répondu dans l'apport aux questions. Ok. Bah écoutez, nous on démarre la deuxième partie avec Keycord. Keycord, j'espère que t'as bien suivi le move parce que là, mon pote, je suis chaud patate, c'est toi qui commence. T'es quoi, je suis prince, je te laisse le premier joueur, vas-y. Tu devais faire le flip. Moi je te dis, Mathieu, souviens-toi, la coquille, hein. Et attends, c'est Mathieu qui en prend deux. Ouais. Peut-être pas sortir du draft, hein, la coquille. Hein. Petite question là pour le coup, j'aime bien. Ouais. Tu sais quoi, moi je suis un débile, je prends elle, vas-y. Hop là, mais normalement, vous avez un bouton pour cliquer. Hein. Non, je l'ai pas, il apparaît pas. Je pense que j'ai dû faire planter le setup à un moment donné. Ok, d'accord. Mais c'est pas grave. Hop. Ouais. Hop. Donc, du coup, c'est ainsi de suite. Donc, celui qui avait pris en premier maintenant ne prend pas en premier maintenant. C'est moi qui prends en premier. Tout à fait. Et là, il y a d'autres cartes. Hein. C'est plus exactement les mêmes que la partie précédente. Oh, j'aime bien le golem. Regarde toujours les prix des manas, hein. Ça c'est important dans la draft, essaie de te souvenir de combien ça te coûte tout ça. Ouais, vas-y, je prends. Et sinon tu seras pas capable de la jouer, si tu prends, il faut gérer sa courbe de mana comme dans tous les jeux de ce type. Fais gaffe à toi quand même. On va vous coacher, vous allez voir, vous allez devenir des champions. Vas-y, prends le murloc, vas-y, prends-le le murloc. Vas-y, pardon. Voilà. Mais mana heal, c'est dangereux ça, c'est dangereux de laisser du mana heal. Ouais. Hop là. Allez. Ça veut dire que tu peux partir sur des cartes un peu plus chères aussi. En fait, il y a combien de tours de draft là? Il y en a 4 en tout, c'est ça? Que vous avez 8 cartes. Ok. Du coup, encore 2. Ah, okay. Nouvelle carte, c'est bien. Oh, le lancer, ouais, trop bien. Le lancer, tu te souviens, c'est la même chose que l'archerie là. C'est qu'il attaque et tant qu'il tue, il recommence. Ouais. Ok. À toi, Kikor, de commencer. Tout, hein. La gargouille, elle est cool. Vas-y, il y a 3 unités volantes là dans le lot. Alors moi je vais prendre elle et je vais prendre elle. Regardez, il y a Léandre, il revient tranquille, pépouse avec sa pizza pendant que l'on joue quoi. Alors pepperoni oignon. Parier sur la pizza, en fait, il a pris une Hawaï, une prosciutto, une... Alors, pour tout vous dire, j'étais... J'en peux plus. Il a couru. Je suis en hôtel actuellement et je me suis fait livrer une pizza pour manger. Et en fait, le mec m'a livré sur l'hôtel d'à côté. Ok. C'est bon, vous avez tous vos cartes. On est à 4 km de l'hôtel de Léandre. Et, le premier joueur, je rappelle, commence seulement avec 6 de mana. 6 de mana? Oui, le premier joueur. Cette courte absence. 3, 4, 5, 6, est-ce qu'il y a de l'ananas sur ta pizza? C'est pour savoir si je reste sur ce live ou pas. Ouais, j'ai la même question. J'ai pris une XXL sans faire exprès, elle est énorme. Et tu réponds pas à la non, question. Il n'y a pas d'ananas. Je reste alors. Bon, en tout cas, Léon, le temps que tu es parti, nous avons commencé une partie. Donc, c'est deux gros noobs. Hein. C'est Keycord. Je crois que même Keycord, j'ai déjà joué. Donc c'est pas vraiment un vrai noob. Ah, mais bien, c'est un peu frustrant. Est-ce qu'il y a un moyen de voir les mains des joueurs? Non. Bah en fait non, depuis le départ en fait, il y a que là tu maintenant qu'on le live. Il y a ouais. Dans le live, tu peux voir que ma main en fait. Donc du coup en fait Mathieu, il veut se faire aider de tout le monde et Kikor, il doit se débrouiller tout seul. En fait
Mathieu, fais juste gaffe, ta tour, elle est en mode. Ah oui, fort. C'est vrai, bien vu. Bien. Avec un malus, c'est normal. Ouais, c'est ça, parce que je suis trop fort, donc. Il vient de terminer son tour. Il nous a joué une créature très intéressante. C'est la Light Bull. Pourquoi? Parce qu'elle double ses dégâts quand elle est tout près, justement, de la bridge. Donc actuellement, elle fera 4 de dégâts au prochain tour. Il faut vraiment aller s'en occuper pour Mathieu. Je lui donne pas du tout de conseils. Pas du tout. Pas du tout, hein. Ouais, je dis que c'est Keycord qui va gagner. En même temps, je trouve ça très bien joué parce qu'il met la pression sur les deux lignes. Donc ouais. Il oblige son adversaire à répondre immédiatement. Ah, mais je lui réponds tout de suite, moi. Hé, hey, purée, depuis quand t'as lancé... Attends, moi, je peux voter. Votez dans le chat, là. Il y a un truc à voter pour dire qui est-ce qui va gagner. Bah si, je l'ai fait tout à l'heure, tu as pas vu. Mais non, je l'ai pas vu parce que je suis modérateur du truc, donc je peux pas savoir. Moi, je peux pas voter, je sais pas pourquoi. Pas le droit. Alors attendez, ça c'est RG. Ça marche pas, j'ai pas le droit. Mais c'est normal, c'est parce qu'on est reconnu comme des modérateurs de cette chaîne. Super, on a pas le droit de jouer. Alors Mathieu, petit tips, le RAM démon, il gérera jamais tes créatures. Il va tout le temps dans ta tête avec sa capacité démolisseur. Ouais, okay. C'est un aérien, donc pour le finir, il est solide quand même. Donc si tu fais des bâtiments un petit peu pénibles, tu peux le tanker. T'es pas obligé de mettre quelque chose en haut. Ok. Oui, ça. Oui, ça c'est il faut savoir que c'est un. C'est un jeu où on doit apprendre, où il faut apprendre à prendre des dégâts. C'est pas très grave parce qu'on se régénère de manière naturelle. Par ça contre, marche. En jouant cette créature-là où tu viens de la jouer, si oui. Tu joues une autre derrière, je te rappelle que le lancier, je suppose même, en fait, lui, il va pas faire d'attaque s'il n'y a pas d'autres créatures. Il peut pas attaquer directement les points de vie adverses. Il a férocité, mais ça n'attaque que les créatures. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Oui, mais là, ça tuera quand même le petit. Oui, sauf s'il joue une carte d'abord. Oui. Alors, est-ce que j'aurais dû faire plutôt ça et ça plutôt en fait? Oui, voilà, c'est déjà voilà. Plus. Oui, voilà. Ouais. Ok, ça marche. Excuse-moi, Kikor. Dans le chat, quelqu'un dit que tu aurais joué la cinquième carte, chose que tu n'as pas le droit de faire. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça revient même parce que. Alors, si. Non, oui, attends, il a... Non, il a... Non, mais il a raison. Je crois qu'il y avait une histoire. Mais, ça... mais non, mais ça fonctionne. Ça fonctionne si tu joues d'abord le truc ben, inhumé. Ah la oui. Coquille, voilà, hop, et du coup t'as plus que 4 cartes et donc ça fonctionne. L'ordre ouais, non, mais ça se trouve c'est l'inverse en fait, ça se trouve je peux pas jouer la coquille par rapport à ça, je suis désolé, j'ai pas du tout fait attention. Désolé, Kikor. Alors attention, j'ai pas dit ça pour embêter, j'ai juste dit que c'était quand même important dans les règles. Oui, non, mais tu fais bien de le dire, parce que si on fait une partie pour présenter le jeu et que je fais n'importe quoi... Bah c'est n'importe quoi. En fait, vous avez eu une partie avant de haute volée compétitive. C'est ça. Et maintenant, là... vous allez voir une partie où on fait des erreurs, c'est normal. Ok, c'est bon, j'ai chargé ma ligne. Hein. J'ai chargé ma ligne. Donc là, en gros, j'attaque elle. Avec je réponds à Phil, je vais laisser Mathieu jouer. Non. Et je peux pas m'empêcher de commenter. T'attaqueras d'abord avec la gargouille, ensuite le lancier, ensuite la coquille. Inhabitée. Oui, mais alors en fait, ils ont leur mal d'invocation, tout autant qu'il n'y a que le lancier qui attaque directement. Tout à fait. Le lancier ouais. Qui attaque, exactement. Donc le lancier attaque et il détruit donc le murloc. Bien vu. Donc là, en faisant ça, tu viens de soigner. C'est un nom déposé, attention. Ah, excuse-moi. Tu viens de soigner Keycord. Je viens de soigner Keycord, exactement. Non, je voulais rebondir tout à l'heure par rapport à la gestion de la main. Effectivement, quand on joue une des 4 cartes de la gauche. Là, du coup, comme il y a une carte en moins parmi ces 4 cartes, la 5ème carte de la main devient la 4ème et est immédiatement disponible pour être jouée. Ok. Ça marche. Vas-y, là, vous voyez, du coup, il s'est mis en bas parce qu'il n'a pas peur du RAM démon pour l'instant. Mais en laissant le champ libre là-haut à Monsieur Keycord, c'est dangereux parce que c'est toujours la ligne du haut qui attaque avant la ligne du bas. Donc potentiellement, il l'élimine avant même que sa ligne du bas fasse quelque chose. Ah oui, bien vu. Ah, il est pas mal le briseur. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien le splash qui fait des dégâts sur la ligne du haut puis ensuite du bas. Ouais. Oui. Parce que du coup elle permet de déjà poser des dégâts sur la ligne de bas. A priori si j'ai bien compris. Et en général ça peut tuer des unités en bas et du coup passer plus facilement. Ou casser des boucliers accessoirement. Alors dites-moi si je me trompe pas, je mets 4 dégâts avec lui qui vient d'arriver. Enfin qui est non. Déjà. Avec le RAM démon tu mets 4 dégâts. Non. Bah ouais, pourquoi non? Attends, est-ce que c'est pas lui qui pouvait pas attaquer dans la dernier. Mais si, il est démolisseur. Non, il peut attaquer. Ah oui, mais c'est toi qui as dit ça. Il peut attaquer. 1, 2... Quoi? Tiens, non, j'ai dit qu'il pourra pas gérer les unités. Ouais, non, c'est bon, oui, c'est vrai. Lui, il arrive. C'est dangereux d'avoir rien mis en haut. Lui met 4 à nouveau directement, puisqu'il attaque que les bâtiments, si j'ai bien compris.
C'est ça. Donc il a... non, par contre, il attaque le bâtiment qui est ici, là, la coquille inhabitée. Donc en fait, il va juste tanker ton attaque. Il a le bouclier, il se prend rien du tout. Chef! Chef! Léandre? Mathieu, t'as quand même déjà pris sacrément des dégâts. Te laisse pas faire. T'inquiète, c'est toute une stratégie. Salut Drabaz. Donc là, c'est la fin du tour, c'est à toi de jouer, Mathieu. Ouais. En fait, c'est une stratégie. Tu comptes le nombre de cartes dans ta main, c'est ton mana. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une technique que j'ai l'impression qu'il va puer un peu la merde parce que je viens de me rendre compte d'un problème que je m'étais pas rendu compte tout à l'heure. Il faut absolument que tu protèges en haut, un petit peu. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas de. Tu peux mettre un bâtiment, quoi. Non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas d'aérien, en fait. Mais t'as pas besoin. Bah, si, parce que c'est une créature volante, lui. Non, oui, mais c'est pas parce qu'il est volant qu'il ne peut être attaqué que par des unités qui ont la visée. Mais il ne passe pas au-dessus des créatures. La visée, c'est la petite cible. En fait, il passe pas au-dessus des créatures. Si tu mets un truc, voilà ça, il peut pas passer au-dessus. Il doit d'abord s'en occuper. Ok. Ok. Elle va mourir. Ouais. Pour l'instant, ça meurt, hein, ça. Ouais, je sais que ça meurt. Je sais que ça meurt. Je sais, les gars. Mais elle a pas là. Bah, payer du mana dans le vide, c'est jamais très top. Hein. Moi, je te conseille d'abandonner la ligne du haut. Hein, si tu fais ça, tu casses ta tour de guerre. Mais non, mais attends, surtout qu'elle était là. Elle était derrière. Non, je peux même pas la jouer. Je peux même pas la jouer. Moi, je dis abandonne en haut, barre en bas et fais un gros rush. Ok. Ouais, moi, j'aurais fait ça aussi. Ouais. Ok. Voilà. Sinon, on pouvait donner des conseils à Keycord aussi. Hein. Bah, il s'en sort très bien, il m'éclate la tronche là. La partie. Putain, on pose la question de la durée de partie. Bah, si vous jouez contre Mathieu, ça dure 5 minutes. Attends, Mathieu, si tu fais ça, t'as perdu au prochain tour. Ouais. Parce que là, regarde, le cochon il te rend sous 3 de dégâts, ta tour elle est cassée. Ouais. Et puis un château, et le mec ensuite te rend 4 et tu meurs. Mais t'as quoi comme mot de carte en... Attends, raison, je regarde tes cartes en main. Le golem, il tank 2 cartes, c'est pas mal, il coûte moins cher. Même juste le peel off, le petit squelette, il te coûte que 1, le petit squelette, tu vois. Tu peux le mettre en haut pour t'empêcher de mourir. En gros, pour vous, c'est de faire ça pour juste pour prendre les dégâts, en fait. Non, et surtout, pour le golem, squelette, il tue aussi. Regarde, le golem, il va tuer lui, là, avec le splash. Et donc, en fait, tu vas pouvoir rentrer des dégâts ce tour-ci. Ah oui, j'ai pas titré ça. Le golem a férocité. Donc, il avance direct et ça va faire très très mal. Ah oui, ok, férocité. Après, donc, smash. Inflige des dégâts à l'unité et sur la même place et la mine. Ok, d'accord, ok, ça roule. Ok, ça marche. Tant que tu rentres au cerveau. Il hein. y a Phil Mathieu qui te dit quand même qu'on est 3 contre 1 parce qu'on perd quand même. Fais un effort, Mathieu. Ouais, fais un effort, bordel. Mais surtout qu'on a dit des grosses conneries. Bon, en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'on a dit des conneries parce que le golem, il peut pas attaquer l'unité volante et donc il va pas pouvoir attaquer les unités là. Il pourra pas faire des splashs. Mais non, moi, j'ai pas dit qu'il le faisait. Hein. Bon, vas-y, Keycord, à toi de jouer. Non, c'est pas à Keycord de jouer, fais tes dégâts d'abord. Mais j'ai pas de dégâts à faire parce que. Minimum quand même. Ah oui, d'accord. En bas, y a des dégâts à faire. En bas, autant pour moi, excusez-moi. Donc la première. Lui qui attaque. Lui. C'est la plus éloignée à la plus proche. Ok. Donc j'inflige 4 points de dégâts. Gargouille. Ouais. Au revoir, War. Ok. Nickel. 2, j'attaque lui. Et j'inflige 2 points de dégâts à Keycord. Et attention, tu l'enlèves pas comme ça parce qu'il a le bouclier quand même. Oui, exact. Oui, exact. Donc là, juste avec lancer, tu l'as cassé son bouclier. Ah oui, et donc ensuite, après, je le tue. Coquille, tu le termines. Ok. Voilà, donc là, il est mort. Mais tu rentres pas de dégâts. Non, fait. Pas de dégâts. Toi, tu t'en sors pas trop mal. Hein. Et là, c'est à Keycord de jouer. Je vous avais dit que je fais pas que je joue. Mais si, c'est bien. Ouais. Tu t'en sors bien. À toi, Keycord. Là, tu vas au moins survivre ce tour-ci. T'inquiète pas. C'est déjà un bon début. Keycord, ouais. Mais et ce qui est bien, c'est qu'en survivant, il risque de s'occuper de certaines de tes créatures. Créatures qui vont te faire regagner des points de vie, donc te permettant d'avoir un degré de latitude pour réattaquer au prochain tour. Ouais, on va dire ça. Ouais. Exactement. On va dire ça. Non, t'es pas si dans la. T'es pas si mauvais que ça. C'est ça que t'es. Parce que Keycord, là, il est obligé de mettre des trucs en bas, par exemple. S'il met rien en bas. Toi, tu lui roustes au prochain tour. Donc, il est obligé un petit peu quand même de montrer qu'il est là aussi. Vas-y, Keycord, montre que t'es là aussi. En fait, c'est un jeu où tu tankes, tu essaies de forcer sur une... Oula, eu la pression. Oh là 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 là. Ouh, il tente un truc, Keycord. Keycord, ah putain, oh il a là pas là le là là là. Oh, il a Keycord pas le time. Keycord, met un truc en bas, voilà. Oh, c'est chaud. T'as combien de mana? Je suis pas sûr, c'est bon, hein. Keycord réfléchit, c'est un jeu de calcul.
Non mais là, non mais c'est bien, c'est mis au niveau de son adversaire. C'est parfait, Kikord. J'ai fait même Kikord, point. Kikord, moi, c'est posé. T'as perdu. Je te donne l'info. Non, non, posé, c'est posé. Oh, ça c'est dégueulasse, parce que juste avant, il est revenu full en arrière. J'avoue, non, Kikord, tu peux, je ferais pas l'enfoiré, tu peux non, modifier. Le calcul pense qu'il a des cartes en main aussi. Après, est-ce que tu gagnes ce tour-ci? Non. Voilà, j'ai la réponse. Parce que là, les deux. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ouais, c'est mieux ça, c'est mieux ça. Ouais, ah. Voilà, ça c'est mieux. C'est mieux, le bouclier c'est vraiment important, ça vous permet vraiment de tanker deux attaques. C'est assez utile. Donc là, le 4, il fait quelque chose ou pas? Mais il a férocité. Ouais. Donc il fait 4, il fait. Bah, il tue le. Non, on est d'accord que c'est le plus éloigné qui attaque le plus proche, c'est ça? Oui. Ok, donc il attaque le golem à 4, donc ce qui fait que le golem reste plus qu'un point de vie. Ouais. C'est un démolisseur, donc. Ah putain, oui, c'est vrai, putain, désolé. Démolisseur, donc peut attaquer les cartes bâtiment, château, fort, mais pas les cartes créatures. Donc en fait, automatiquement, il m'attaque, quoi. Oui. Ok, donc un, hop. Ouais, d'accord, hein, messieurs. Détruit, ici. Et on n'entend pas Léandre. Ah, Léandre, on t'entend pas. T'as été mute, Léandre, on t'a mute. Bah, démutez-le. Non, mais je rigole quand je dis que je les mute. C'est... Parce qu'en fait, là, si ça se passe bien comme ça, je suis pas sûr. En fait, j'ai perdu, en fait. Ouais. Parce qu'il là, il attaque avec le céleste. Là, il attaque donc le premier. Je suis pas sûr qu'en fait, ça passe les créatures. Enfin, je crois que c'est bleu. Enfin, tu vois. Rien, donc je suis pas sûr qu'il soit bloqué. Ah. Je crois qu'il est juste. Il est démolisseur, il peut pas attaquer les cartes, du coup, il passe au-dessus. Normalement. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. C'est ce que j'ai compris. Hein. Quand tu lis la carte, tiens, on va voir. Démolisseur peut attaquer les cartes bâtiment et la tour de guet, château fort, mais pas les créatures adverses. Donc là, pour le coup, pour moi, lui, il arrive, il attaque directement. À part si férocité peut attaquer les unités adverses, pas la tour de guet. Ah oui, voilà, tu viens de le poser. Ouais. Lui, il peut pas attaquer la tour de guet maintenant. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il a férocité, faut que tu attends le tour d'après pour pouvoir m'attaquer. Donc, il peut pas. Et je pense qu'elles ont aussi un désavantage, mais ça, on va attendre qu'il soit là. Donc la férocité ne peut pas attaquer la tour de guet directement, je réponds en même temps au chat. Ouais. Voilà, ben voilà, Phil, tout à fait. Bien donc joué. Là, avec ton 3, tu vas m'attaquer donc mon golem, mais tu le tues pas. Et après, là, avec mon démon, par contre, pour le coup, avec ton rame démon, là, par contre, tu m'attaques directement. Donc là, tu m'infliges 4 points de dégâts, ce qui fait que ça m'inflige 1, je détruis ma tour, et je reviens ici. Et c'est tout. Mais sur le coup, le rame démon a vérifié quand même. Non, parce qu'il a pas fait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça joue. Donc, il n'y a pas de. Il était vache. Très, très fort, en tout cas. Très bon choix au niveau du draft. Kikord. Donc là, moi, je récupère 4 de mana. Oui, c'est ça, 4 de mana. Donc, je suis à 6. Et donc, est-ce que le Light Blue, il a été joué ce tour-ci? Le Light Bulb, Kikord? Oui, il a été joué ce tour-ci. Oui. Ok. Alors, c'est à notre ami. Mathieu de jouer et t'as que 4 de mana. Non, j'avais déjà 2, donc plus 4, ça fait 6. Non, non, mais ça se régénère pas comme ça, hein. Tu le gardes pas de tour en tour. Hein. Autant pour moi, je voulais gratter 2 de mana, mais. Ouais, je vois ça. Bah, tu me diras, pour 4, j'ai pas grand chose à jouer en fait. Oui, mais calcule ce que tu fais déjà de base. Et bah, en fait, de base, moi, c'est comme ça que ça va se passer. La gargouille. Non. C'est d'abord en haut. En haut. Ça a des impacts parfois. La 3 attaque le démon à 5, donc il reste 2 points de vie. J'ai le golem, lui, qui va attaquer. Oh putain, il va faire qu'une seule attaque. Ouais, mais tout à droite, regarde. De quoi tout à droite? Ça attaque le Wallbreacher parce que les deux autres créatures sont volantes, donc tu peux pas les attaquer. Ah ouais, bien vu. Et du coup, ça fait un splash. Mais sauf qu'il n'y a pas d'unité derrière, mais au moins t'en tueras une. Ouais. Ouais. Bah ouais. J'ai rien d'autre à faire. En fait, je peux poser mon mana heal comme ça, en fait. Bah, ça te fera du mana au prochain tour. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce que je veux faire. Ok. Ok. Donc, là, je joue. Donc, on est d'accord. Résolution. Le mana heal, il vient d'arriver, donc il ne fait rien. Le squelette détruit cette créature. Non. Bah, d'abord, si. La plus proche, rame démon.
Ah oui, mais non. Attends. Est-ce que les deux sont aériennes? Non, effectivement. Donc il l'a détruit, donc l'autre, il va juste faire un d'attaque. Ouais. C'est ça. Donc elle est détruite, qui corne. Et après, là, je t'inflige un point de dégâts directement sur ta tour de guet. On est Tout d'accord. à fait. Ok. Bon. Après, en bas, lui, attaque lui, il lui fait perdre son bouclier. Non, le plus proche. Ah! Oui, putain, j'ai du mal avec ça. Lui, donc lui, il meurt. Mmh. Lui attaque une fois, lui fait perdre son bouclier. Mais... Et après, lui le tue. Exact. C'est Et pas c'est à qui fou. corps? C'est ça qui corde. En fait, c'est vraiment un jeu où la préparation de ton tour, Ouais. tu places les cartes, est importante, et après, tu as juste à vivre la séquence qui est en train de se battre, de vivre devant toi. Justement, c'est ce combat. Mais c'est vraiment un jeu de calcul cérébral avant, très intéressant, hein. Ça va se passer, donc ça se passe. Et puis, bah, c'est une question de choix aussi, hein. Parce que réfléchir après la partie, ça sert à rien. Ouais. Ah, exactement. Et je réponds à Barbu, salut, et effectivement, un jeu de planification en somme. Je pense que c'était Exactement. un Jeu de autre mot pour... programmation. Ouais, et les gars, c'est un exploit. Il y a quelqu'un de l'entre-deux-guerres qui vient dans un live, sur un autre live en fait, pour nous dire coucou. Ça, c'est beau, ça. Non, Wouhou! moi je suis sûr que c'est un fake. C'est un fake. C'est pas le vrai barbu. Prouve-nous que Pas tu es le vrai. vraiment le barbu. Oh non, mais non, mais ça va, c'est là pour la vanne. C'est Pendant qu'en malade. fait, vous savez ce que Léandre il est en train de faire? Il est en train de manger sa pizza en fait. Oui, c'est ça, il nous a inventé un Ouais. gros mytho de PC et tout et compagnie, mais c'est juste. Connexion, etc. Et ouais. Et Game Workshop, ouais, c'est trop cher. Ouais, ben viens ici, c'est moins cher. C'est toi qui Game t'appuies. Workshop, c'est trop cher. C'est bien lui, c'est C'est le bon. le Ouh, vrai. là, attention, il y a Kicker qui nous enchaîne des cartes, hein. Ouais, Keycord, il est en train de m'éclater, clairement, enfin, qui m'éclate, hein, on va pas aller plus loin que ça, que l'éclatage, parce que là, il Après, je m'éclate. vous conseille vraiment d'incliner vos créatures quand vous les invoquez. Ouais. Visuellement, c'est beaucoup plus facile pour calculer ensuite. Suis d'accord. Je t'invite, Mathieu, à ne pas hésiter à zoomer un peu sur le plateau, qu'on voit les illustrations de très près, Oui. avec la molette. J'essaie de... Je les ai montrés un petit peu tout à l'heure, mais oui, je remontre. Être joli. Hop. Et tu peux même incliner le plateau, comme ça c'est un peu plus droit. On n'est vraiment pas du tout embêtant. Non, du tout. Alors, Mais vous si je avez mets ton raison. Comme ça. golem. Voilà. Ensuite, je mets à nouveau. Ah ouais, non, c'est chiant ça. Et je fais 4 sur le mana mid, donc en fait, je vais pas faire grand-chose en fait sur ce coup. Oui. Et là, tu te rends compte que tu as bien joué, Mathieu, parce que tu as mis un building, donc ça te Ah. protège des Ouais, attaques du ramdam. c'est ça. Tu avais tout calculé, on est d'accord, hein. Non, mais c'était. En fait, si tu veux, j'ai fait genre de pas calculer le coup, mais en fait, dans ma Mais tête, je t'as suis en vu mon train de. message privé que je t'ai envoyé, c'est ça? C'est ça. Stylé. Bon, bah, tant pis. C'est fini pour toi, Keycord? Je fais rien. Ok. Ah. Néandre is back. Je peux arrêter de streamer. Hop là. Enfin, c'est streamer Ouais, non, il y a plutôt. zéro dégâts qui est fait par Kikor. Zéro dégâts ici, ouais. Puisque là, il attaque lui. Lui, il bloque. Pas de problème. Et Par contre, toi, là. tu démarres avec peu de mana de base. Donc, je démarre avec 3. Mais, si tu Mais. regardes bien tes cartes, il y a quelque chose. Et bah j'ai le mana heal qui me fait gagner un mana de plus, deux mana de plus, donc je suis à 5. Yeah! Mais, attention, tu as deux cartes en main. C'est dangereux de prendre des risques de les jouer Oui. parce que tu te rends vulnérable. À toi de voir. Ouais, non, mais je vais réfléchir là mon coup. Donc, réfléchissons. Elle va attaquer elle. Jusque-là, pas de souci. Le lancier, lui, va attaquer lui, va lui infliger un point de dégâts. Et après, lui va tuer. Ah non, bah non, lui, je suis pas pour l'attaquer parce que lui, il est volant. Mais regarde un peu ce que le lancier fait. Bah, le lancier, quand je tue un ennemi, il réattaque derrière. Ouais. Mais sauf que le lancier, il peut pas tirer. Il attaque pas les ennemis à distance. Bah du coup, il attaque quoi? Ah, bah, il attaque directement la main. Ah oui, bien vu. Bien vu, l'aveugle. Ok. Ok. En haut, 3, bah, j'attaque directement sa main. Parce que je peux pas attaquer ces deux gargouilles, là, avec mon mana heal. Et On est donc? d'accord? Bah en gros. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. J'arrive, j'attaque. Mana heal 3. Donc, Keycord. Non, c'est ta carte, Non, c'est non. celle-ci. Attends, rien. Hop 1, 2, là. 3, ça devient château Ça fort. devient château fort. Château fort Fort revient au par à gauche. départ. Comment? Hop. Après, ma créature attaque. Là, pareil, je peux pas attaquer ses unités volantes. Donc, directement, j'attaque ta tour. Donc, je t'inflige 3 points de dégâts. Et t'as Allô, gagné. allô, la centrale, est-ce que Et quelqu'un me Hello! reçoit? Oui, on Oui. t'entend.
On te reçoit pas, non. J'ai l'impression que Tabletop me consomme beaucoup d'énergie au niveau de mon PC, donc. D'accord, ok. Ok, une victoire là? Ouais. Oui. Ouais. De Je qui? vis de De moi, mais Mathieu, il a une Mathieu? bonne. Oui, N'importe quoi. pas ce ton-là, par contre. Pense que vous Mais il faut bien que tu précises un truc, Léon, ça va être cool que tu sois revenu si tu nous entends. Ouais, je t'entends et je te vois. Ok, question sur la capacité aérienne. Imaginons qu'il Ouais. n'y a que des créatures aériennes et ta créature à toi n'est pas capable de toucher des créatures aériennes, elle attaque la tour de guet alors. Absolument. Absolument. Et du coup, L'aérienne, c'est une capacité qui est pas une à double capacité tour. défensive. C'est une capacité qui donne de la résilience dans la mesure où elles sont plus difficiles à toucher et donc à tuer. Donc, elles restent souvent en jeu plus longtemps que les autres. Mais à contrario, elles ont un point faible, c'est que c'est des passoires en termes de défense. Ok, d'accord. Et c'est pour Ok. ça qu'elles sont très Parce que fortes, là, mais en termes de statistiques. En fait, ce qui était simple, enfin, ce que j'ai cru voir avant d'être déconnecté, c'est que sur Aligned Duo, il y avait le Ram Démon et il y avait aussi le Snoot. Il y Ouais, avait beaucoup de donc c'est créatures les rois. aériennes sur la ligne du haut à droite. Donc, fragiliser, s'il n'y a que des unités en face qui n'attaquent pas, qui n'ont pas la visée, ça peut vite passer à travers, quoi. Ouais. Et j'ai une Ok. autre question parce que moi je pose des questions sur vraiment les règles du jeu, mais c'est simple, rassurez-vous. Le lancier qui a rafale, s'il tue une créature et qu'il n'y a plus d'autres créatures, il attaque la tour de guet? Absolument. Voilà, ok, bah on a tout bien joué, Unique, mais ça va. uniquement, uniquement, à pas, uniquement à partir du deuxième tour, évidemment. Oui, évidemment. Ok. Eh ben, on a bien joué le coup et on apprend de ses erreurs, j'ai envie de dire. Hein. Bah, alors, la partie était vachement plus courte que celle qu'on vous aviez fait avant. Désolé, hein. Les parties en général durent, moi je mets entre 10 et 15 minutes par joueur. Des fois ça va beaucoup plus vite, des fois c'est beaucoup plus lent. Ça dépend le temps que prennent les joueurs à réfléchir. Et puis ça dépend aussi du positionnement des joueurs et de leur deck. S'ils ont un deck qui est censé snowball et être vraiment sur la défensive jusqu'à accumuler beaucoup d'unités pour rentrer des dégâts, ou à contrario, si une seule unité peut rentrer beaucoup de dégâts avec un petit gel, ce sera beaucoup plus rapide. Ça dépend en fait vraiment de pas mal de paramètres, la durée de la partie. Bon, là après, pour le coup, j'ai été aidé de Cléonis et de Vianney à fond, Ah clairement. ouais, super. Donc, Oh, aucun mérite dans dégueulasse. cette victoire. En fait, c'est la partie Moi, je n'ai pas aidé, d'initiation. moi, En j'ai rien fait, dit, moi. si vous voulez voir le live, en fait, regardez-le à l'envers. C'est-à-dire que partie d'initiation, c'est la nôtre, et la partie d'expert, c'est celle d'après. Et pas Non, l'inverse. mais regardez pas la partie expert, non, non. Ne faites pas ça. Pourquoi t'as honte de ta défaite? Pas du tout. Ah là 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 là. Il a pas Bon. abandonné, il a reçu une pizza, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Eh ben. Oui, C'est pas pareil. Eh ben en vrai, j'ai vraiment. Là, enfin, c'est une première game et tout, mais je pense tâter ma femme demain à faire une petite game Ça pour nous lui. regarde pas. Non mais. Hein. Non, non, mais je trouve que c'est un jeu qui est facile pour les non-initiés. Moi, ma femme qui joue pas du tout aux jeux de plateau, ou très peu. Là, pour le coup, c'est vrai que quand j'arrive avec mes boîtes. Grosse comme ça, avec mon livret de règles gros comme ça, tout d'un coup elle me dit, j'ai autre chose à foutre, casse-toi avec tes conneries. Ce qui est pas forcément faux. Et puis en plus, Et. là, t'as même pas le temps de. Elle aura pas le temps de réagir parce que la mise en place, elle est quasiment C'est instantanée. Tu ça. poses les deux pions Je sur la pose les table, cartes, voilà, et je lui dis, on tu dis, joue. tiens, tu choisis quelle carte pour draft? C'est exactement C'est ça. vrai que la mise en place, c'est instantanée, donc elle sera prise au dépourvu. Donc mise en place instantanée, les règles sont super simples, parce que t'as pas à aller checker sur les règles, juste à part au départ pour les icônes, parce que bon c'est la première partie, donc c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs que tu sais pas. Mais d'avoir la petite vignette à côté pour les icônes, enfin j'ai toujours en tête le Batman de Monolith, qui avait énormément de petites icônes, comme ça ils avaient fait la même chose, mais c'était des pavés, et toutes les 2 minutes t'étais là en train de les livrer l'air comme ça, à toujours checker. Ça veut dire quoi cette DASA? En plus c'est pas qu'une phrase, hein. C'était pavé comme ça pour chaque Ah oui, emote, ouais, donc non, là en général c'est une phrase. voilà. Ouais, je crois que c'est ça, c'est une Voilà. phrase à chaque fois. Ici, au niveau des icônes, faut savoir qu'en deux parties, on a montré toutes les icônes. Il y en a une seule qu'on n'a pas expliquée, et je trouve elle est intéressante, c'est le focus, donc c'est sur le golem, parce qu'elle n'a pas, elle a pas été appliquée. Mais en fait, le golem, L'icône quand de il la arrive. ville géant aussi. Oui, ben, et sur le géant, mais je l'ai vu sur le golem. En fait, quand il arrive, il va automatiquement, directement, le plus à droite possible. Enfin, il va entre le pont et les autres créatures. Donc, en fait, il s'insère d'une certaine manière. Et c'est important à réfléchir parce qu'il a férocité. Donc, c'est assez bien fait en termes d'équilibrage, encore une fois.
qui serait quand même... Tu permets de casser notamment les boucliers adverses. Ouais. Mmh. Golem. Oui, c'est ça, le focus, il s'insère entre le pont et la première unité de la ligne. Donc voilà. En fait, c'est un espèce de... Il dit, laissez-moi passer, c'est moi le chef, laissez-moi faire le taf et vous passez derrière. Je dirais, on a vu toutes les capacités du mode démo, mais dans le jeu, il y en a quand même beaucoup plus au total. Oui, oui. Clairement. Là, il y en a, on a vu, je ne sais plus sur Tabletop, là, actuellement, il y en avait quoi, 10, 11, un truc 10, comme ça sur la plaquette. Enfin, c'est 12, ouais. Précisément. 12. Ok. Ouais, il y en a 28, en tout. Et on a vu comme je disais, il n'y a pas de quoi s'affoler. Hein. Ouais, on a vu les trois types de cartes qu'on y est. On a vu les créatures, les bâtiments et les sorts. Alors, les sorts, on ne les a pas beaucoup joués. N'a pas été l'occasion, mais toi, tu en as montré un, le Fireball, et les bâtiments que vous avez pu voir, qui sont intéressants aussi pour empêcher des créatures qui s'appellent les démolisseurs de passer si facilement. Après, dans ce kit de démo-là, j'ai mis que deux sorts, il me semble, de mémoire. Oui, j'ai ta météorite et spell. J'ai mis un Fireball. Ouais. Oui, Fireball ou spell. Et je voulais pas surcharger d'informations, je voulais que ça reste un kit de démo, donc de découverte, donc accessible. Mais je voulais quand même qu'on puisse voir tout le potentiel des cartes. Est-ce que à terme, tu penses proposer un mode tabletop complet ou pas? Je sais pas ce que ça implique. Qu'est-ce que Est-ce que tu veux mettre toutes tes cartes disponibles sur le jeu? Mais évidemment, oui, carrément, en fait. Ouais, je pense. Oh, ça, c'est génial. Alors, je pense que je le ferai peut-être différemment. Peut-être que je ferai une espèce de roulement en termes de cartes, pour pas que tout soit disponible en permanence, pour quand même donner la primeur, j'imagine, à ceux qui ont le jeu. Peut-être que je ferai des... Je sais pas si c'est possible sur tabletop, mais de faire un roulement de cartes avec 32 cartes différentes, peut-être tous les mois, ou un truc comme ça. Alors, tu peux le faire. Une nouvelle édition, c'est ça, en fait, c'est juste ton module, en fait, tu l'as une fois, et après, c'est juste toi qui le valide, et qui valide mais avec les cartes à l'intérieur, mais c'est totalement faisable. Après, pourquoi pas même toutes les laisser. J'avoue que je suis pas hostile à l'idée. Moi, je suis plutôt un auteur, parce que je me considère avant tout auteur et ensuite éditeur, mais un auteur qui met facilement et gratuitement à disposition ses créations. Donc, en vrai, ça serait logique que ça le soit. Ouais. Je ne donne pas de réponse à 100%, mais ça se tient, en vrai. Ouais, carrément, en fait. Bon, bah, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je vois ça de loin, que visuellement, ça me plaît, que j'avais vu 2-3 trucs tourner sur le jeu et que ça me plaisait bien. Après y avoir fait une première partie, je suis plutôt très emballé par le projet. Donc moi déjà, c'est sûr, tu peux me compter dans l'un des pledges de luxe. Hein. Moi, je prends que les all-in, all-in de luxe. Alors normalement, on me les envoie, selon la légende qui traîne sur l'internet, on m'envoie des all-in. Mais là, pour le coup, je vais te faire plaisir, c'est moi qui vais l'acheter. Non, je trouve vraiment qu'il est ultra accessible et fun et simple. Enfin, fun. Pas simple, parce que t'as beaucoup de calculs et tout à faire de positionnement. Mais quand tu fais une première partie comme ça, tu peux jouer en mode très simple pour découvrir les mécaniques et autres. Franchement, moi, je n'y vois que du positif. Et je vais voir avec les gars des cartes sur table, mais je pense qu'il y a un tournoi qui va s'organiser d'ici peu. Là, parce que là, je les sens tous très chauds, là. Et je pense que le tournoi pourrait être un truc assez intéressant à faire. Avec, je sais que Kikord... La vie de Kikord... Ouais, Kikord a l'air d'être chaud. Je sais que Ketal, il commentait des matchs à l'époque sur tout ce qui était les jeux Asmodée, donc L5R, Star Wars Destiny et autres. Donc je me dis qu'avec lui, en commentateur et avec un bon tournoi, ça peut être un truc assez sympa à faire en live. En tout cas, c'est quelque chose qui me donne en tout cas bien envie. Qui c'est dont t'as parlé en dernier qui fait des trucs pour Asmodée? Parce que il y a Ketal avec qui j'ai fait une démo il y a 2-3 jours sur Stories. Alors c'est Ketal. C'est Ketal. Parce qu'il faut savoir que Ketal, quand on lui a présenté le jeu, il a dit « Ah ok, super, le jeu de cartes ultra original, des attaques, des points de vitesse. » Il a fait un peu le mec condescendant, tu sais. Il est arrivé en disant « Et après ta partie, il était là. Les gars, j'ai surkiffé. Je vais en parler. Ce jeu, c'est de la dinguerie et tout. » Et j'ai envie de lui dire un petit screenshot en lui disant « Mais je croyais que c'était... je sais pas, il y a des attaques et des PV, ça te plaît maintenant ?» Vas-y, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'est arrivé depuis hier soir? Et là, c'est là où il m'a dit « Ouais, non, mais j'ai testé le jeu et il a surkiffé. » Donc je pense qu'il y aura moyen de faire un truc avec lui aussi, bon, avec tout le monde, hein, mais ça peut être super. C'est vrai que c'est un jeu qui paraît, juste si tu le regardes comme ça de loin, si tu ne connais pas les petits twists du jeu, tu te dis, bon, bah, c'est un truc avec du mana, de l'attaque, des PV, des petites compétences. Bon, ça a l'air classique. Mais en fait, il y a la gestion de la main et le contrôle du board, le fait que ce soit instantané, le fait qu'il y ait 8 cartes en main, qu'il y ait un cycle qui se fait, que le mana est géré avec la main, que les points de vie également. Tous ces petits twists font que ça rend le jeu
Moi, je trouve que c'est un jeu qui, je m'en lasse pas. C'est pas du tout pour une histoire de dire il est trop bien mon jeu, hein, mais vraiment c'est un jeu, et c'est pour ça d'ailleurs que je le porte depuis entre guillemets aussi longtemps. D'habitude, je fais plutôt des jeux que je crée, que j'édite très rapidement, que je lance sur le web, et ensuite je passe à un autre, hein, le mois suivant. Là, ça fait presque 1 an et demi que je suis sur celui-ci, et je pense que ça va continuer, parce que c'est un jeu qui pour moi a une très grande rejouabilité, et je prends toujours autant de plaisir à y jouer et à le développer. Bah super. Eh ben écoute, ce sera le mot de la fin, je pense. Et à part si quelqu'un veut rajouter quelque chose qui corde, un mot à dire malgré. J'ai déjà dit, j'adore le jeu, donc moi tu vas me compter dans les pledgers dans pas longtemps. Donc voilà. Ok, bon, bah un deuxième. Cléonis, je sais ton amour pour le jeu, mais vas-y, redis-le, c'est ton moment, tu peux le redire. Ouais, bah écoute, j'ai découvert ce jeu, je trouve qu'il est correct, passable, à moins que potentiellement j'aie été dans les 3 premiers pledgers, c'est possible, je sais pas trop. Ok, bon, à nouveau convaincu. Et Vianney aussi, bah lui, pareil, je pense que toi, tu es très convaincu, Vianney? J'ai même fait partie de ceux qui lui ont dit c'est nul d'avoir des versions à découper soi-même. Ah bah ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce serait bien qu'on ait tout de suite une version collector parce que le jeu le mérite. Et merci Léandre de m'avoir écouté parmi d'autres sirènes comme tu l'as dit en début de live. C'est vrai que c'était un des premiers à me le dire et tu l'as dit très tôt. Et c'est peut-être la toute première graine qui a commencé à germer. Donc peut-être s'il y a une version de luxe, Eh tu ben vas c'est grâce pour à rien. Vianney. Eh ben écoute, merci Vianney parce que je suis entièrement d'accord avec toi de couper mon jeu. Moi je l'ai déjà dit en début de live, mais c'est quelque chose qui m'est insupportable. Et, il me semble, les amis, qu'on était à 321 contributeurs au tout début de ce live. On est à 328 maintenant que je vois. J'ai rafraîchi la page. Donc, si ce n'est pas Allez. encore fait et que le jeu vous a plu, allez au moins voir la page Kickstarter qui donne plein d'informations. Alors, on nous pose une dernière question. Et Est-ce qu'elle puis, était oui, bonne ou la dessus. pizza? J'ai pas entendu. Est-ce qu'elle était bonne la pizza qu'on nous pose la question sur le chat? Bah écoute, elle m'attend, elle est en train de Ah. refroidir tranquillement, elle m'attend, j'ai pas encore mangé. Bon, eh ben écoute, on va te laisser manger alors la pizza. Bonne soirée à Merci. tous. Encore une fois, un grand grand merci, Léandre, d'être venu ce soir nous présenter ton jeu. La campagne Kickstarter, on a mis le lien et je crois qu'il va être encore, on va le remettre tout à l'heure. Mais la campagne s'est lancée il y a 24 heures, nous sommes rendus un peu plus de 60% de financement. Donc on s'approche bah, tranquillement du 100%. Donc ça va le faire. La campagne, alors j'ai perdu le nombre de jours sur lesquels elle est et j'ai C'est plus. 21 jours. 21 jours. Jusqu'au 5 mars précisément. Jusqu'au 5 mars. Donc voilà, vous avez deux pledges. Un pledge à 25 euros et un pledge à 40 euros. Une boîte standard, et enfin Basic Box et la Deluxe Box. Donc il y aura la page Kickstarter qui vous permettra de pouvoir vous faire la référence. Et il y aura aussi, je le dis sur ma chaîne YouTube, une analyse Kickstarter avec toute l'équipe des Meeple Reporters et du Dandy Meeples, où on fera notre analyse un peu plus approfondie de la campagne, bien évidemment, pour faire un petit coup de pub. Encore une fois, merci Léandre pour ce super jeu, de ta Merci. disponibilité. Merci beaucoup à vous. Merci à Super. l'équipe. Bah de cartes sur table, que ce soit Vianney, la chaîne Entre Joueurs, qui est une chaîne qui fait des lives le mardi et le jeudi. On met des liens assez régulièrement, mais je le reprécise. N'hésitez pas à aller le rejoindre. Nous avons aussi Cléonis, qui a une chaîne Twitch. Pareil, n'hésitez pas à le rejoindre, lui, il fait des lives un peu sauvages. Je crois que c'est un peu le lundi des fois. Est-ce que tu as des plannings un peu précis de ce qui arrive, Cléonis? Au feeling, c'est plus la chaîne YouTube en ce moment. Ok, plus chaîne YouTube. Et nous avons aussi Keycord, qui est très très actif sur YouTube et aussi de temps en temps sur Twitch. Donc n'hésitez pas aussi à les rejoindre. Est-ce que tu as un planning aussi, Keycord, qui arrive là prochainement? Tease-nous un petit peu tes projets. C'est assez calme. Sur YouTube, il y a pas mal de trucs qui vont arriver dans les tuyaux, notamment du Warcry, mais ça tu le sais. Et puis du Warcry et j'espère du Keyforge bientôt aussi, mais bon, j'attends des news. Ouais. Ça marche. Bon bah super. Eh bien écoutez, bonne soirée à tous, bon week-end, et on se retrouvera donc ce sera lundi soir pour un nouveau live sur la chaîne d'Entre Jeux Studio. Bon week-end à tous. Salut! Bisous, Oui, bye bye. merci à tous, c'était cool.